Bonsoir à tous, bienvenue dans une grande librairie qui vous propose ce soir d'offrir des livres aux plus jeunes, à vos enfants, à vos petits-enfants. Nous allons ensemble partager l'envie de lire et croyez-moi, il y en aura pour tous les âges, pour tous les goûts, avec des écrivains, des romanciers, des romancières, qui sont les meilleurs ambassadeurs de la littérature jeunesse. Et au milieu desquels, évidemment, j'ai eu envie de bousculer un peu les choses et de placer un philosophe qui pense, lui, que la philosophie écoutez bien et la méditation devraient être enseignées aux enfants dès l'école primaire. Bonsoir Frédéric Lenoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau Philosopher et méditer avec les enfants. C'est le titre de ce livre qui est à la fois euh, un véritable programme de lecture et puis euh, surtout le récit d'une expérience que vous avez menée auprès euh, d'enfants. Quel âge ont-ils hein, ces enfants oh, avec qui vous trois, philosophez Entre 4 et 11 ans. 4 ans, 4 ans et 11 ans. On peut philosopher à 4 ans On commence tout juste. Bon, alors on va prémices, voir ça. Mais à partir de 6-7 ans, ça devient vraiment intéressant. Il y a énormément hein, de témoignages que vous avez recueillis, que vous compilez et que vous nous présentez, où il y a parfois, chez un jeune de 8 ans ou de 10 ans, des choses assez surprenantes. À vos côtés se trouvent euh, des écrivains qui, eux, depuis longtemps... Alors, je ne sais pas s'ils font de la philosophie, mais enfin, ils forment les générations de lecteurs à venir. Vous connaissez Suzanne Morgenstern De nom eh bien, la voici. Bonsoir, Suzy Morgenstern. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Euh, vos romans sont traduits dans une douzaine de langues. Vous en avez publié, je crois, euh, plus de 120 ouais, Oui, en presque 40 ans de carrière. 120 livres et albums. Il y en a certains qui sont vendus, je crois, à un million d'exemplaires. Vous me disiez tout à l'heure plus, hein, plus de traductions encore Célébrissime. Vous êtes d'origine américaine. Vous nous raconterez tout à l'heure euh, comment aussi vous avez. Appris le français, comment vous vous êtes emparé de cette langue pour écrire directement en français. Votre dernier roman vient de paraître sous le titre énigmatique d'espionnage intime. C'est à l'école des loisirs. Alors, du côté des énigmes, des jeux de mots, de la langue qui danse et qui s'amuse, il bah, y a un album tout nouveau. L'album de celui qui, avec vous, Susie Morgenstern, a donné envie de lire, justement, à toute une génération. Bonsoir, Claude Ponty. Bonsoir. Très content de vous avoir sur ce plateau pour parler du mystère des Nigmes, avec un N majuscule pour Nigmes. C'est le titre de ce livre qui raconte l'histoire d'une disparition absolument catastrophique. Figurez-vous qu'un beau jour, les mots disparaissent des pages des livres. Et là, tout s'écroule. J'ai lu un livre qui m'a absolument bouleversé et épaté. C'est un roman en vers. En vers libres, parfois même en alexandrin rimé. C'est d'une finesse exceptionnelle. Il s'appelle Songe à la douceur. Et son auteur s'appelle Clémentine Beauvais. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir également. Vous avez 27 ans et déjà un très beau palmarès à votre actif. Je fais le pari que ce livre-ci sera un best-seller avant Noël. Et puis voici un romancier qui écrit autant pour la jeunesse que pour les adultes. Bonsoir Arnaud Catherine. Bonsoir. Alors on vous connaît euh, du côté de la littérature. Est-ce qu'il faut dire littérature vieillesse quand on ne parle pas de littérature jeunesse J'adore, je trouve ça très drôle. Oui, ouais. ouais. disons ouais. De littérature Allez, vieillesse. On va parler de littérature vieillesse et de littérature jeunesse, mais il n'y en a qu'une la littérature, il y a la bonne, et on en parle de la bonne. Arnaud Catherine. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce roman. Euh, qui vient dans une collection, qui est une collection destinée aux ados, hein, aux éditions Robert Laffont, ça s'appelle « À la place du cœur », roman très ancré dans les réalités que doivent affronter les ados d'aujourd'hui, c'est-à-dire un certain mal-être, bon, jusque-là, très bien, on connaît, on connaissait la découverte de l'amour, on peut se dire qu'il y a eu des livres là-dessus, mais aussi la découverte du terrorisme et de la montée du Front National. Et puis nous accueillerons dans un instant, une lectrice. Puisqu'il s'agit de donner envie de lire aux plus jeunes, je me suis dit qu'il fallait avoir l'avis de quelqu'un qui les représente, les jeunes. Elle a 11 ans, c'est une grande lectrice, elle viendra vous lire un extrait d'un des livres dont nous allons parler ce soir, elle s'appelle Zoé. Euh, Arnaud Catherine, je viens de dire que vous écriviez aussi bien pour les ados que pour les adultes. Euh, Est-ce que vous écrivez différemment selon que vous vous adressez à un public ou à un autre Écrire, non, je ne l'espère pas, parce que l'idée, c'est quand même de toujours être libre, et euh, en particulier en termes euh, et formels et thématiques. Disons que je ne suis pas le même. L'état de conscience n'est pas le même. Euh, J'écris assez peu pour les enfants, les petits, parce que je me souviens assez peu de l'enfant que j'étais. En revanche, je me souviens très bien, pour X et Y raisons euh, sur lesquelles je jetterai un voile pudique, mais je me souviens très bien de l'ado que j'étais. Et donc, j'ai finalement pas beaucoup de mal à le convoquer en moi et le faire revenir comme ça, comme une espèce de conscience fantomatique. Et là, ce n'est pas qu'il écrit à ma place, parce qu'on est un artisan, quand on écrit, on tient les rênes. Mais malgré tout, il y a cette voix qui revient, et c'est avec cette voix-là que j'écris. Après, j'ose espérer que les livres que j'écris pour la jeunesse sont aussi libres que les livres pour adultes. Et dans les livres pour adultes, il y a très souvent des personnages qui sortent à peine de l'adolescence. Hein. Dans vos romans, il y a la nostalgie de ces 15 ans, 16 ans, 17 ans. Euh, Claude Ponty, euh, vous avez écrit, vous, euh, deux, trois romans pour les adultes également, mais beaucoup de livres pour les, les très jeunes, des albums. Et Arnaud Catherine vient de dire qu'il avait du mal à convoquer le très jeune enfant en lui. Est-ce que vous, vous convoquez le jeune claude ponty, quand vous euh, dessinez, illustrez, et écrivez. non, je ne convoque pas le, le, le jeune qui est en, en moi, mais euh, euh, je me souviens extrêmement bien des quantités d'événements de ma vie, y compris avant trois ans. donc, je pense qu'en fait, on est complémentaires. c'est que moi, je commence avant et lui continue après, parce que c'est vrai que euh, quand, quand ma fille a atteint l'âge fatidique, euh, je me suis dit, bon, j'essaye, je ne sais pas faire. Cet âge-là, je ne sais pas faire du tout. J'étais extrêmement frappé par euh, ce, ce livre-là. Euh, on a le droit d'être honnête. Ah bah c'est mieux. Euh, J'avais jamais lu le livre d'Arnaud Catherine. Et alors ben Là, je suis décidé à en lire d'autres parce qu'il <laughs> m'a énormément impressionné. Euh, J'ai ai, ai beaucoup aimé. Euh, bon, évidemment, c'est un, un livre très, très frontal où on, où on prend les choses. Alors On va en parler fait. on rentrera dans son roman dans un instant. Mais euh, c'est intéressant que vous ayez aimé et surtout que vous posiez cette question est-ce -ce, est qu'il faut être honnête euh, Est-ce qu'il faut être honnête quand on écrit justement pour les jeunes Quand on écrit tout simplement Clémentine Beauvais, vous avez le sentiment que l'honnêteté, c'est. C'est nécessaire. L'honnêteté euh, dans les thèmes et l'honnêteté euh, dans l'écriture, il y a, a peut-être deux, deux choses différentes là. Moi, ouais. je, je pense qu'on peut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On peut parler de beaucoup de choses, et, euh, et je pense que c'est clair aussi dans votre livre avec la philosophie pour les enfants. Tous les thèmes peuvent être abordés, mais peut-être que l'honnêteté dans l'écriture, c'est aussi de, euh, je sais pas, d'avoir un ton euh, qui s'adresse à eux euh, en même temps en, en préservant certains mystères. Et, et en même temps, en étant généreux dans ce qu'on décide de partager, c'est un peu, c'est un peu une, pour moi, c'est un peu un mélange de ça. C'est un peu cette, ce travail de funambule entre entre ces deux aspects-là de l'écriture. Alors justement, les funambules, allons-y. Frédéric Lenoir, vous êtes un peu un funambule, vous, parce qu'il fallait oser ça, marcher sur cette corde au-dessus. C'est pas tellement du vide, mais peut-être de l'incompréhension que pourrait être une classe de très jeunes, entre 4 ans et puis le début de l'adolescence. C'est ce que vous avez fait. On va commencer, et j'aimerais bien, c'est pour ça que je vous ai invité, Frédéric Lenoir. En lisant ce livre, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui est formidable, c'est qu'on peut rendre la philosophie populaire au bon sens du terme. Euh, Philosopher et méditer avec les enfants vient de paraître aux éditions Albin Michel. Je rappelle quand même, Frédéric Lenoir, que vous êtes philosophe de formation, mais également sociologue, que vous êtes ce qu'on appelle un historien des religions tendance bouddhisme, enfin quand même. Non. Comment ça non, non parce Vous avez que... écrit combien de livres sur le bouddhisme Non, mais j'en ai écrit pas mal sur le christianisme, sur d'autres religions. En fait, un historien des religions, par définition, euh, il essaye d'avoir un regard assez neutre ouais. et extérieur. Donc, j'ai un intérêt particulier à titre personnel pour le bouddhisme, euh, mais quand je fais mon travail d'historien des religions, je ne privilégie pas une religion où je ne cherche pas à faire passer mes convictions personnelles. Alors ça, c'est important de le dire, et euh, vous faites partie également de ceux qui, avec beaucoup de talent, ont réussi à vulgariser euh, toutes ces religions, toutes ces histoires, et puis euh, nous inviter à trouver aussi un bonheur euh, ici, ici-bas, pas seulement dans l'au-delà. Vos livres sont vendus à plus de 5 millions d'exemplaires. Euh, Qu'est-ce qui vous a incité à proposer aux enfants à la fois de philosopher et de méditer J'allais dire euh, entre 7 ans et 10 ans. Oui. Ben, en fait, ça fait euh, des années que je prends conscience à quel point il serait utile que les enfants philosophent très jeunes. Parce qu'il euh, faut qu'ils apprennent à développer un discernement, un jugement, un esprit critique. Ce que Montaigne nous disait très bien dans les essais, c'est que euh, l'éducation vise à avoir une tête bien pleine, à prendre plein de connaissances. Mais ce qui est le plus utile pour vivre, c'est d'avoir une tête bien faite c'est-à-dire d'être capable de juger par soi-même. Et je pense c'est encore plus vrai aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux, où il y a les enfants sont tout le temps là-dedans, les adolescents encore plus, et finalement il y a toutes sortes de rumeurs, il y a des théories du complot, il y a toutes sortes d'intoxications. Et j'entends des choses énormes euh, que répètent les, les enfants. Et je me dis, mais leur apprendre à réfléchir, à prendre de la distance, à argumenter, à raisonner, ça devient crucial aujourd'hui. Alors ça, sur et le papier, avec envie, le voir, on se dit, c'est très bien. Voilà, mais mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on confronte justement <laughs> et ben, euh, des enfants Parce que vous allez les chercher, vous vous dites dès le primaire. Hein. Oui, mais c'est ce que j'ai eu envie. Je me suis dit, je vais faire l'expérience. Je vais voir comment ça se passe de faire philosopher des enfants. Ouais. Je ne vais pas me contenter de le répéter. Et donc, j'ai fait l'expérience pendant un an, j'ai tout arrêté. Et puis, j'ai euh, travaillé... 400 enfants dans 18 classes dans toute la francophonie, puisque je voulais avoir une diversité culturelle. Mmh. Donc j'étais à, à Montréal, j'ai été à Abidjan, j'ai été à Bruxelles, à, Bruxelles. à... Molenbeek avant qu'il y ait les attentats. Je ne savais pas du tout qu'il allait se passer ça à Molenbeek, c'est un peu un hasard. J'ai été à Paris, j'étais en Corse, j'étais dans un petit village à Pézenas, à Montsartou, et à chaque fois avec des, des, des âges différents. Et puis un atelier philo, il faut quand même comprendre ce que c'est, ce n'est pas un cours de philosophie. Un cours de philosophie, euh, vous enseignez des notions, il y a un vocabulaire qui est important. Vous pouvez pas enseigner à des enfants Kant et Schopenhauer. Alors qu'est-ce que vous leur enseignez Qu'est-ce que vous leur demandez Je ne les enseigne pas. Ah, euh, c'est important. Je les aide à penser. Et donc finalement, je suis un accompagnateur de la, leur propre pensée. Et ce que je fais, c'est que je les mets en cercle, je me mets avec eux en cercle. Je ne suis pas du tout dans la position, comme on est là, vous voyez. Ouais. Euh, je ne me mets pas du tout dans la position du maître qui est face à eux. Et je leur dis, moi, je ne sais pas. Donc simplement, je vous pose une question, vous allez me dire ce que vous, vous pensez. Et je leur pose une question du type, euh, qu'est-ce qu'être heureux ou qu'est-ce qu'une vie réussie Ou mieux, mieux vaut-il être mortel ou immortel Des grandes questions de la philosophie. Ou alors je leur dis qu'est-ce que vous vous posez comme question Et je recueille leurs questions. Et après j'écoute et je distribue la parole et je leur dis attention, écoutez-vous, argumentez. Ne dites pas simplement une vérité, mais dites pourquoi vous dites ça. Et il y a des débats qui s'installent entre les enfants et on voit que ça donne des résultats extraordinaires. C'est-à-dire qu'au départ ça démarre doucement et de plus en plus ils se confrontent et on arrive à un progrès de la pensée. Et c'est une manière de former au débat démocratique. – Est-ce que euh, Clémentine Beauvais, ce genre de euh, procédé, c'est-à-dire euh, poser des questions euh, à des enfants, à des enfants très jeunes, hein, c'est presque des cire-molles à cet âge-là, est-ce que c'est une démarche que vous, vous seriez capable de mener, qui vous intéresse ?– oh ben Oui, normalement bon, la philosophie pour enfants, de toute façon, c'est vrai que ça fait, ça fait des années que ça se développe de plus en plus, il y a des gens comme vous, comme Edwé Chirouté, comme comme euh, Cara Pastorini, qui font ça euh, au quotidien avec, euh, avec des, des, des enfants, c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Je trouve que par rapport à l'approche qu'on peut avoir à l'école, euh, au, au lycée, où c'est extrêmement thématique, euh, vous lisez dites au début, conceptuel, euh, la conscience, Et ensuite on va faire tout le monde qui fait la conscience, oui. comment, comment il parle de la conscience, à la place de ça, euh, poser des questions qui, qui génèrent des discussions, euh, c'est la vraie philosophie en action, c'est la philosophie euh, je, de je vous poser la question à vous Clémentine mauvais- parce qu'on parlera dans un instant de votre roman, mais c'est un roman dans lequel euh, justement les adolescents sont en en permanence, en train de se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? L'ai-je bien fait? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que je dois, dois-je ou non dire ce que je ressens? Mais c'est ce que font les adolescents en permanence. Et là, je nuancerais peut-être un peu le côté, l'aspect sur le réseau social. C'est ce que font les ados sur les réseaux sociaux en permanence aussi. Et je pense que, enfin, Arnaud et moi, on a cet même intérêt pour ce même intérêt pour les réseaux sociaux et les questions que se posent les ados par réseaux sociaux interposés. Et parfois, il y a des, des conversations Facebook qui prennent la teneur d'une discussion philosophique. Ah oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Simplement, je pense qu'à côté de ça, il faut les aider à apprendre à penser par eux-mêmes, et pas être simplement dans, la, mmh. dans le mimétisme, et les ados sont beaucoup dans le mimétisme. Mmh. Euh, et alors, vous avez raison, il y a une chose qui est intéressante à dire aussi, c'est que moi, je, je vais procéder par questionnement, mais le fondateur de la philosophie pour enfants s'appelle Matthew Lippmann, c'est un Américain qui, dans les années 60, c'est le premier qui s'est dit, on va faire philosopher les enfants pour les aider à développer un esprit critique. Et il partait toujours de textes. Euh, il pensait que c'était vraiment un, un bon matériel d'utiliser de, de, mmh. de la littérature jeunesse. On pourrait partir avec vous, Ouvrages les uns et les autres. Mais, mais vous le, le faites, hein, parce qu'à à la fin de l'ouvrage, vous donnez des pistes de réflexion, pardon de vous couper, mais oui. c'est des pistes de réflexion qui sont quand même parfois surprenantes. Il y a deux, trois classiques de la philo, et puis on voit par exemple Léonard. Alors Léonard, c'était de Turc et de Grotte, formidable bande dessinée. Je ne pas le souvenir que. Je, je me souviens que c'était très très drôle, je ne sais pas si c'est vraiment de la philosophie. Non, mais il y a énormément de, de textes que lisent les enfants. Il faut partir de ce que connaissent un peu les enfants. Il y a des films aussi. Euh, les bandes dessinées, euh, mmh. les dessins animés sont des dessins animés formidables. Torgal, par exemple. Bah, Torgale, mais Torgal, c'est initiatique. C'est très profond, Torgal. Il, il pose la question du destin en permanence. Et vous posez la question à des enfants, vous partez d'un Torgal de trois pages de Torgal et vous leur dites, c'est quoi le destin et vous allez avoir quelque chose de formidable. On peut partir de toutes sortes de textes et, et des dessins animés, notamment sur les émotions. J'étais très surpris de voir qu'il y a des enfants qui connaissaient très très bien les émotions à 7 ans. Je me dis, comment est-ce qu'ils connaissent ça Ils me disent, on a vu le film vice-versa. Et ce dessin animé a été mais, pédagogique au plus haut point. Ou alors sur, euh, sur la méchanceté. Pourquoi quelqu'un est méchant et ben, Les enfants ils m'ont parlé de Kirikou. C'est un dessin animé qui montre que la sorcière elle est méchante parce qu'elle est une épine dans le dos qui la fait souffrir. Et que quand on est face à des gens méchants, il faut se poser la question... Qu'est-ce qui les fait souffrir Mais c'est profond comme tout. Et donc, vous avez des thèmes qui viennent des romans, de la littérature jeunesse, des films, des BD, qui nourrissent une réflexion philosophique. Ça me fait penser, Claude Ponty, que chez vous, hein, dans vos albums, dans vos livres, il y a toujours ces métaphores. Enfin, très souvent, en tout cas, on parlera dans un instant euh, de cette métaphore de la disparition des mots dans les livres. Est-ce que vous vous sentez l'âme philosophe Est-ce que vous avez l'impression que, euh, avec les histoires que vous inventez, vous aider, les jeunes, à philosopher ?– Pour ce qui est de, de ma philosophie, euh, j'ai le bac philo, et euh, l'exemple qui me caractérise, c'est que, quand j'ai lu euh, une interview de Foucault, euh, à l'époque, euh, sur, sur la folie, j'ai tout compris. J'ai acheté le livre, j'ai rien compris. Ouais. Ça, c'est moi. Je suis comme ça. Pour les enfants, j'ai fait le le parcours inverse, c'est-à-dire que euh, je vais citer un exemple tout simple. C'est ma fille, mais c'est pas important. C'est que euh, elle a à peine connu son arrière-grand-mère et, et son arrière-grand-mère est morte. Donc euh, elle avait, elle parlait depuis pas très longtemps. Donc ça doit être deux ans et demi, trois ans. Et euh, je lui dis Est-ce que tu veux la voir ou pas Elle me dit Je veux la voir. Je dis Bon, je te prends dans mes bras. On va la voir. Et elle était morte. Et, euh, quand tu veux sortir, tu me le dis. Donc euh, je suis prise, on est allé la voir, elle a regardé son arrière-grand-mère, elle m'a dit on sort. Donc on est sorti, et elle m'a dit c'est rigolo. C'est rigolo dans nos coutumes familiales, ça veut dire c'est étrange. Elle m'a dit c'est rigolo, elle est là et il n'y a personne dedans. Ça m'a tué. Et à partir de là, et, et d'autres fois, j'ai beaucoup écouté ce que disaient euh, les enfants, et c'est à partir de ce qu'ils disent que je me suis aperçu qu'ils étaient beaucoup plus philosophes que qu'on ne pouvait l'imaginer. Et c'est eux qui me font réfléchir. Donc. Elle est là, il n'y a personne dedans, c'est formidable, Frédéric Lenoir. Et, on et prend, vous... Allez, on commence le cours sur Platon avec ça. <laughs> Exactement. Sur et le corps Exactement. Et euh, vous avez raison de dire que les enfants ils, sont plus philosophes que nous. Ils ont une radicalité de pensée qui est extraordinaire. Tout à fait. Michel dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit « Nous naissons tous philosophes, certains le demeurent ».– Alors voilà, c'est là magnifique. où ça se gâte. À et quel âge justement que... ?– L'adolescence. – Voilà, c'est ça qui me frappe. – que... La rupture, c'est l'adolescence. – C'est une rupture pour vous l'adolescence ?– Ah oui, je pense qu'il se passe quelque chose à l'adolescence, on perd cette espèce de fraîcheur, de candeur de l'enfant. Les enfants, ils naissent avec une espèce de, de questionnement. Vous savez qu'Aristote nous dit que la philosophie commence avec l'étonnement. C'est-à-dire le fait tout simplement de… Poser des questions que plus personne n'ose poser. Disant, mais pourquoi les choses elles sont comme ça Pourquoi la mer elle déborde pas C'est une question qu'on se pose absolument mmh. plus. Euh, est-ce que pourquoi est-ce qu'on est sur Terre euh, Est-ce que Dieu existe Et Dieu qui l'a créé Enfin, toutes ces questions-là, les enfants se les posent dès l'âge de 3 ans. Et c'est cet étonnement, cette fraîcheur, ce, cette envie de connaître qui est le moteur de la philosophie. Donc effectivement, la philosophie, les enfants sont philosophes. Et puis après, lorsqu'on est adolescent, on est plus dans la posture, on est plus dans le mimétisme, on est plus dans un esprit où on veut s'intégrer au groupe ou être en réaction. Et je trouve qu'à l'âge de l'adolescence, il n'y a plus cette espèce de spontanéité qu'ont les enfants. Moi, j'ai fait des ateliers avec des adolescents. Ils ont très peur de ce qu'ils vont dire et ils vont être jugés par les autres. Alors qu'un enfant, il n'a pas peur du tout du jugement des autres. Vous n'êtes oui, pas d'accord euh, avec ça Moi, moi je, je pense que ça, ça, ça me rappelle plein de souvenirs d'ateliers d'écriture et d'intervention en classe. Je pense qu'on est tous autour ouais, de ce oui, plateau oui, à avoir oui, fait oui, ça. Oui. Et il y a un moment qui est extrêmement touchant c'est quand on arrive à désarmer les adolescents. Mm -hmm. euh, voilà, on n'est pas le prof euh, on est une sorte de corps étranger qui arrive comme ça. Et il commence toujours par dire ce qu'il pense qu'il faut dire. Absolument. Euh, et du coup, ça donne lieu à des naïvetés ou des truismes assez touchants, mais qui en restent au stade de naïveté. Et quand ça se passe bien, quand il y a une sorte d'empathie ou de sympathie, je ne sais pas, quand quelque chose se passe, à un moment donné, on sent le point de bascule, il commence à s'exprimer en propre. Et ce moment-là, il est inestimable. Et quand on ressort de classe ou d'un atelier et que ça s'est passé au moins une fois avec un individu, on est heureux quoi. Mais et je pense que des gens comme vous peuvent justement, euh, avec cette maillotique dont vous avez l'art, euh, désarmer les individus et peut-être qu'il faut y passer une heure ou deux. Donc il faudrait que Frédéric euh, pas poursuive l'expérience avec, avec les ados. Un Bien peu sûr. plus. Mais Pourquoi vous avez raison, mais c'est l'enfant qui se réveille en eux à ce moment-là. C'est-à-dire que lorsqu'il okay. est démasqué, ouais. il n'est plus dans la posture. Ouais, ouais. Et puisqu'il n'est plus dans la posture, l'enfant se réveille en lui. Et c'est pour ça qu'on reste tous enfants d'ailleurs. Et, et lorsqu'on retrouve cet enfant en soi, c'est-à-dire cette simplicité, les enfants sont simples. Ils n'ont pas besoin de jouer un jeu. Pour Et ça, c'est pour pour forcément temps. Non, en maternelle, Et... ils sont dans les postures, quand même. Oh, <laughs> euh... Pas vraiment. Ben, si, moi, c'est garanti. Ils, ils sont dans les postures. Il n'y a, a pas d'âge où la posture est, est, est absente. La, le, le, la clé, quel que soit l'âge des enfants, c'est de casser. Le, le, les postures, les attitudes. Surtout si jamais on est dans des classes, il faut prendre le pouvoir sans, sans désespérer l'enseignant. Il faut il faut euh, avoir une grande stratégie pour effectivement que le, le, les enfants ou les jeunes gens, euh, parce que j'aime pas beaucoup le terme d'ado. Euh, Vous n'avez pas par... le terme ado. Pourquoi J'aime pas les abréviations comme ça et euh, j'aime pas j'aime pas l'idée que euh, il euh, y a un âge où on ouais. doit être ado. Les parents ont lu tous les magazines à la con qu'il faut avoir lu pour savoir comment traiter l'ado. C'est une Finalement, construction sociale pour nous. On, on est dans une obligation, un réseau d'obligations. Mm. Moi, j'ai une fille qui n'a pas fait de crise d'adolescence. Elle a juste fait une crise à un an et demi, après à cinq ans, après à huit ans. Ça a duré trois semaines ou ça a duré un mois. Elle a fait une crise mm. allée comme ça. Et des gens qui n'ont pas fait de, de crise d'adolescence, il y en a plein. Enfin, ouais, vous avez de la chance, hein, croyez-moi. Oui. Euh, Suzy Morgenstern, vous qui intervenez euh, régulièrement hein, dans les classes à la faveur de la sortie de vos livres, euh, qui sont extrêmement populaires, quelle est votre stratégie Est-ce que vous vous retrouvez dans les propos que tenait tout à l'heure Frédéric Lenoir En lisant le livre, je dis, mais on fait ça euh, tout le temps. On fait des ateliers de philosophie. Nous, à partir des questions de, de nos livres, euh, ma bataille, à moi, c'est toujours de poser des questions. Le, le, le grand physicien Feynman, quand, quand il rentrait de l'école, sa mère n'a euh, pas demandé qu'est-ce que tu as fait à l'école. Elle a dit, est-ce que tu as posé de bonnes questions aujourd'hui oui. oui. C'est pas mal ça. Et j'encourage je, je, tout le monde à poser des questions. Euh, moi, on m'invite euh, chaque fois qu'il y a un candidat euh, au mariage de, des enfants de mes amis, on m'invite pour l'interroger. Ah, vous êtes celle qui pose des questions Ah oui, ne m'étonne pas. Et, et mes regrets dans la vie, c'est de ne pas avoir posé des questions à, à mes grands-parents, à mes. Je ne sais pas quelle était leur vie, à Odessa par exemple. Et quelle était la vie de ma grand-mère quand elle est arrivée en Amérique à 14 ans, dans les sweatshops, dans les ateliers de couture. Et je ne sais, je ne sais rien parce que je n'ai pas pensé à poser des questions. Donc c'est apprendre aussi aux jeunes à, à poser des questions, pas seulement à se poser des questions. Euh, Frédéric Lenoir, pour quelles raisons ajoutez-vous à la philosophie auprès des enfants les plus jeunes la méditation Alors ça, ce n'était pas programmé du tout. C'est-à-dire que ça s'est venu de la réalité du terrain. C'est qu'en faisant les ateliers de philo dans les classes, je découvre que les enfants sont hyper agités, beaucoup plus que le souvenir que j'en avais moi-même. Et je vois des enfants qui sont nerveux, agités, qui ont du mal à se concentrer. Et là, je discutais avec les enseignants, ils me disent Vous savez, il y a des études scientifiques qui montrent que les enfants aujourd'hui, ils n'arrivent pas à être attentifs plus de 8 secondes. C'est-à-dire, toutes les 8 secondes, ils pensent à quelque chose d'autre. Donc là, je dis il y a un petit souci, on va essayer de leur faire une petite pratique de l'attention. Ce que je fais, moi, depuis 35 ans, parce que j'ai appris ça euh, il y a assez longtemps, et j'en avais besoin, parce que j'étais aussi quelqu'un d'assez distrait. Et c'est une simple pratique de l'attention. J'ai même cru comprendre, pardon de vous couper, que vous étiez un adolescent turbulent. Ouais, turbulent, inattentif, voilà. et je détestais l'école. Voilà. Et donc, finalement. Euh, je leur apprends à se, être, se poser, fermer les yeux, euh, et être euh, attentif à leur corps, à leur respiration, à leurs sensations corporelles, donc de lâcher un petit peu tout, tout le cinéma intérieur, du mental, etc. Et ça les a calmés tout de suite. Et ils ont adoré cet exercice, on le refait chaque fois, et les, les enseignants m'ont dit, mais maintenant on le fait tous les jours, parce que ça évite aux enfants de faire de la, on a besoin de faire de la discipline. Ils font de l'autodiscipline avec la méditation. Alors ce qui est formidable, c'est qu'à la fin de l'année, euh, moi, j'avais vu le, le résultat sur les ateliers philo. Ils sont plus présents, ils sont plus attentifs, ils écoutent les autres beaucoup mieux. Et je ne pensais pas qu'ils allaient le faire chez eux. Mais je pose la question est-ce qu'il y en a qui le font chez vous Et là, les deux tiers des enfants dans chaque classe, oui, on continue chez, chez nous. Et je dis mais pour quelle raison certains c'était pour l'attention, type « je n'arrive pas à faire mes devoirs, je médite un peu, j'y arrive », mais pour plein d'autres raisons. Il y en a un qui me dit « j'arrive pas à dormir depuis que je médite, j'y arrive », et beaucoup me disent « quand j'ai envie de casser la figure à mon petit frère, je vais méditer ».– Ça revient régulièrement dans votre livre, ça. Hein. – Et puis il y en a même un qui me dit euh, « mon père est chef d'entreprise, il est hyper stressé, j'ai appris à méditer, ça va beaucoup mieux <laughs> ».– <laughs> Philosopher et méditer avec les enfants, c'est aux éditions Albin Michel. Alors, Frédéric Lenoir, j'aimerais que vous écoutiez très attentivement maintenant, justement, euh, ces écrivains qui, eux aussi, depuis des années, euh, forment les lecteurs d'aujourd'hui à être ceux de demain, parce que je crois bien qu'ils vont avoir des choses, euh, peut-être même, à vous apprendre. J'en euh, suis sûr. <laughs> Clémentine Beauvais. Allez, Songe à la douceur. C'est votre nouveau roman qui vient de paraître aux éditions Sarbacane. Je le dis tout de suite, c'est un livre exceptionnel. Roman en vers libre, mais aussi en alexandrin rimé. C'est non seulement très facile à lire, un peu déconcertant au début, mais ce n'est pas grave, allez-y, méditez, comme dirait clous noirs, et rentrez dedans, et en plus, c'est absolument magnifique. Alors c'est librement adapté euh, d'un grand classique des histoires d'amour ratées, c'est-à-dire euh, telles que les adolescents les ont tous vécues, Eugène Oneguine de Pouchkine, Hein Qu'est-ce qui vous a donné envie, Clémentine Beauvais, euh, d'oser Parce qu'il faut quand même avoir un sacré culot pour adapter et transposer dans le monde des adolescents d'aujourd'hui ce drame magistral devenu un classique. C'est vraiment poussé par la, la passion pour le livre, je pense, tout simplement, et, et pour l'opéra euh, dont j'étais fan et euh, qui, euh, qui m'habitait. Et il fallait que je trouve un moyen d'exorciser de, ça, et ouais. c'est devenu euh, Songe à la douceur. Ouais. C'était le. Ouais, L'élan le, 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 principal. Mais alors pour quelle raison, euh, en vers libre, euh, de cette manière-là, en alexandrin, avec parfois des caligrammes Ouais. Alors je ne crois pas beaucoup à l'inspiration, mais c'est vrai que pour pour ce qui est des, du vers, c'est venu assez naturellement. cest quand j'ai commencé à, à écrire euh, cette réécriture, adaptation, je ne sais pas exactement comment dire, de, de Jeanne Onegin, c'est venu en vers. Peut-être parce que l'original est en vers. Peut-être à cause de l'opéra euh, mmh. euh, que j'avais en tête. Et puis aussi le roman en vers qui est pas super connu en France, existe dans les pays anglo-saxons depuis depuis une petite quinzaine d'années. Donc j'en avais lu, je savais que c'était possible, quoi. C'était quelque chose qui était dans mon champ de possible. Et quant au calligraphe. c'est pas du tout, c'est pas du tout expérimental. C'est pas un souhait, on est d'accord. Non, je pense que expérimental, c'est pas c'est pas le bon mot. Non, non, c'est c'est comme vous dites, c'est lisible. C'est vrai que c'est pas c'est pas oulipien, quoi. Il y a des gens qui ont dit que c'est oulipien, Je pense que c'est c'est pas vraiment. Ah non non non, c'est au contraire. C'est un lyrisme fou. Et, euh, et les caligrammes, c'est intéressant que vous posiez la question parce que justement, c'était une suggestion de lectrice de 14 ans. C'est-à-dire que quand le premier jet du livre a été fini, on l'a euh, donné à lire à, à une sélection de, de très jeunes lecteurs, pour, lectrices pour certaines. Et il y en a une d'entre elles, elles, Alice, qui nous a dit euh, euh, ⁇ J'étais tellement emportée par les vers, je n'aurais pas été surprise de voir apparaître un caligramme. » Et on a dit ⁇ un calligramme, bonne idée. Et donc, on s'est on dit, bon, on va pas faire un gimmick, on va vraiment faire des calligrammes qui ont un sens et qui ajoutent à l'histoire. Et donc, on a revisité le texte suite à ces retours de jeunes lecteurs et lectrices. C'était très important pour moi de savoir ce qu'en pensaient les ados. Mais poser... qui sait on <laughs> ah, le... Excusez-moi, je parle très souvent en collectif quand je parle de euh, moi-même et de mon éditeur, parce que pour moi, en effet, très souvent, je Il y fais un travail un collectif, collectif entre vous. Et... C'est vrai que c'est un réflexe que j'ai et, euh, et je me ne m'en rends même pas compte. Donc, Alors, là, oui, ça c'est pour la moi. forme, Clémentine Beauvais. Je voudrais qu'on dise un mot quand même euh, du fond. Euh, rappelons un tout petit peu ce qu'était euh, le drame initial euh, entre euh, Eugène et Tatiana. Histoire d'amour entre deux adolescents, l'un à 14 ans, l'autre 17 ans, chez vous en tout cas. Oui, Évidemment, histoire d'amour qui ne se produit pas, qui n'a pas lieu, on se tourne autour, et puis bon, bah voilà, la vie passe. Ah, il y a un petit drame sur lequel je jette, comme dirait Anne-Catherine, un voile public. Il reviendra, le drame, c'est le suspense. Et donc, euh, ils se retrouvent beaucoup plus tard, ils sont jeunes adultes. Et donc c'est une histoire euh, d'amour qui se passe à, sur deux âges, euh, l'adolescence et l'âge jeune adulte qui... Euh, dix ans plus tard. Dix hein. ans plus tard, voilà, ils ont 24 et 27 ans. Et donc ils essaient de reprendre cette histoire d'amour euh, là où ils l'avaient laissée. Et ce n'est pas aussi facile euh, qu'ils le voudraient parce qu'il y a toute une série d'engagements euh, qu'ils qu ont pris et qui sont plus compatibles avec cette histoire d'amour adolescente. Frédéric Lenoir, vous l'avez lu ce livre enfin, en tout cas, vous l'avez eu, euh, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous étiez. Euh, je voyais. Euh, Moi, vos... j'ai été déstabilisé euh, par la, la mise en page au départ. Et on n'est pas habitué à lire un livre qui est mis en page comme ça, avec euh, effectivement des phrases qui sont isolées. Des... Et du coup, euh, je... vous avez mon côté, euh, voilà, un peu du lecteur euh, bête et méchant qui lit toujours un peu pareil. J'ai eu ce, ce, cet instant de déstabilisation. Donc, faut, faut, je crois que pour des adultes comme nous, je pense que les, les ados, ils adorent. Ils doivent rentrer beaucoup plus. Mais attendez, c'est vous qu'il faut reformer alors ouais, C'est vous l'adulte <laughs> qu'il va falloir. Il faut que je me réadapte à une manière mais de dire oui. différente, mais qui du coup me déstabilise et tant mieux. Ce que j'adore est déstabiliser. Ça permet justement de, de lire autrement, de regarder autrement un texte. Donc merci pour ça, ça m'a fait un très bon exercice de déstabilisation qui, qui va m'amener me, me, à regarder autrement les choses. – Ce qui est très fort, je trouve, c'est ce regard rétrospectif que porte euh, le personnage principal, Eugène, et puis également Tatiana, sur ce qu'il a été, sur, on parlait tout à l'heure du, du jeune garçon euh, que vous avez complètement oublié, Claude Ponty, et qui obsède Arnaud Catherine, mais là, il a 27 ans et il se dit, à un moment, je trouve ça formidable, 17 ans, non mais ça a vraiment existé cet âge-là, c'est pas possible, 17 ans c'est une invention. C'est un âge qu'on a créé pour faire croire aux vieux qu'ils ont été adolescents. Qu'est-ce que vous pensez aussi de vos 17 ans Parfois, oui, parfois. Et, euh, et cette impression de. Quand on repense à l'adolescence, quand c est, c est, les Anglais disons, disent cringeworthy, et il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, et c'est ce, cette tension qu'on a quand on se souvient de petits détails, et en même temps, c'est hurlé de nostalgie et d'une de, et de, et un, certaine affection pour ce qu'on a été, mais ce n'est pas toujours facile de se, de, de se rappeler qu'on a été cette personne-là. On a parfois l'impression qu'il y a une rupture, est vraiment, on est dans, dans le thème philosophique à fond, mais est-ce est que j'étais la même personne à 17 ans que maintenant Et ça, c'est sûr que c'est la grande question d'Eugène dans le livre, il se demande voilà, est-ce que, est que je suis toujours cette personne atroce que j'étais dont je me souviens maintenant. C'était l'adolescent blasé, hein, qui n'a rien fait mais a tout vu, il y en a beaucoup aussi chez les adultes, et puis euh, face à lui son <laughs> meilleur ami qui lui est... Euh, alors vous opposez deux adolescences, une, une adolescence nihiliste, celle de Gênes, à une adolescence idéaliste, celle de Lenski, Léonard surnommé Lenski. Lenski c'est vraiment le poète et euh, est, euh, il est lyrique il est extatique il aime la vie il fait, il fait de la poésie il dit à son, à son amoureuse je t'aime je t'aime etc euh, encore une fois c'est tiré hein, c'est inspiré mmh. vraiment du, du livre de Pushkin et je pense qu'il y a deux manières de voir Lenski on peut le voir comme un personnage un peu pathétique un ado qui est très euh, qui... Voilà, qui est trop idéaliste, ou alors on peut le voir avec beaucoup de tendresse. Prêt à et... mourir pour une idée ou pour une histoire d'amour. Voilà, exactement. Moi, j'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de tendresse pour Lenski euh, en tant que personnage. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est deux adolescents qui, qui, qui s'opposent et qui ne qui, voilà, sont pas forcément compatibles. Alors, eux ne se comprennent pas, mais les parents comprennent rien du tout non plus. Vous écrivez page 31. Les parents sous-estiment trop souvent leurs enfants, encore plus souvent les adolescents. Quel remède <laughs> Eh bien... Peut-être lire des livres pour ados <laughs> et en discuter avec leurs, avec leurs ados, euh, c'est possible. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une impression qu'on a, qu a tous eue, je crois, en tant qu'ados. Mais enfin, mais laisse-moi faire ce que je veux faire, je vais le faire bien, promis. Mais bon, voilà, c'est difficile pour les parents. Mmh. Pour quelle raison euh, introduisez-vous dans cette poésie en vers, dans ce roman en vers, de temps en temps des termes qui sont extrêmement crus euh, Un peu comme chez Arnaud Catherine, hein, euh, la simple idée de frôler Tatiana, la foule étant serrée pour passer le portique lui foutait la trique ça rime. Oui, c'est oui. vrai. C'est une mauvaise réponse. C'est la vie, quoi. Hein bon, oui, oui, oui. Mais je pense que maintenant, vraiment, en littérature ado, on n'a on a plus ce genre de, 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 de problème. On a, on, a, on a de la chance, je trouve, d'écrire maintenant où il, y a, il y a énormément de, de liberté dans, dans ce qu'on peut dire. Vous avez l'impression que ça s'est libéré, que la parole, que l'écriture s'est libérée par rapport à il y a quelques années Arnaud-Catherine sourit, et dit bien sûr, alors ça, mon neveu... Moi, je crois que j'écris des livres pour la jeunesse pour ça, parce qu'il existe enfin une littérature digne de ce nom. Euh, moi, je, je me souviens de quelques livres que je ne citerai pas, qu'on m'avait mis dans les mains euh, au lycée, enfin au collège, quand j'étais ado, mais ça me semblait éviter, avec application, tout ce qui me tournait en tête. Et, et j'ai découvert... Euh, euh, pour, pour être clair, la sexualité, qu'est-ce que je fous sur cette planète... La mort, la mort, grande questions essentielle. Et quand j'ai découvert, euh, j'avais quoi J'avais 20 ans, ouais, Qu'il existait, euh, notamment, euh, mais pas exclusivement à l'école des loisirs, des romans, mais tellement beaux, littéraires, juste des, des livres, quoi. Mm. Je me suis dit, mais tiens, euh, euh, maintenant j'ai envie d'écrire, d'essayer d'écrire les livres que j'ai pas pu lire quand j'étais adolescent et qui sont libres, y compris sur euh, la lexicologie et tout ça, bien sûr. Heureusement, c'est tellement sain qu'on puisse dire euh, ce mot trick dans un livre. Il faut, faut quand même dire, juste, tous les trois, vous avez des, un, un roman sur euh, des, des adolescents confrontés à l'amour. Mais pour parler de votre euh, livre à vous, euh, évidemment, il y a un vocabulaire euh, qui, est, qui est plutôt d'aujourd'hui. Mais ce n'est tellement pas important par rapport à la puissance évocatrice, aux images incroyables qu'elle arrive à, à libérer par moments. Je, je me disais, mais ce livre, il devrait être lu. Je l'imagine à la radio. -à ouais. La vraie radio, celle qui ouvre un monde euh, immense, un monde de fou, où la, la nuit, l'univers, tout est là. Et il y a les voix, les voix et des voix qui racontent cette histoire. Et, et, et on en sort le, le cœur <laughs> ouais. broyé, ouais. tordu. Mais il y, y a vraiment des, des évocations d'une puissance émotionnelle de, et, de, et de, de, de mélange de niveaux de réflexion et de choses qui se passent. Je trouve ça extraordinaire. – Vous aussi, je lirai ce que vous avez fait avant. Il faut quand même que je précise, c'est très étonnant d'être en face de Cécile <laughs> <de rire> Morgenstein et Claude Ponty, parce qu'on parle de littérature jeunesse. Mais enfin, moi, pour moi, là, j'ai en face de moi deux personnes qui ont toute mon enfance et mon adolescence. Vous les avez lues, évidemment. Mais tellement, mais c'est quand même une situation très étrange et, et, et c'est hyper, pour moi, c'est extrêmement émouvant. Est-ce que vous pouvez me rappeler votre âge, s'il vous plaît, Clémentine Beauvais 27, ça va. 27 ans. Ouais, non, mais surtout, attendez, pardon. Ça veut surtout dire qu'elle a. Elle elle a grandi avec vous. Mais bien sûr, avec vos sûr, Elle a absolument grandi avec euh, oui. la sixième, La d'amour de Zoradis, Alibi, que j'ai relu dix mille fois. Évidemment, Claude Ponti, Mais... j'ai tout lu, tout lu, tout lu, tout lu. Donc c'est très, très étrange comme situation. Donc, et je pense que c'est un plateau de littérature d'enfants. En plus, quand on a ces, ces émotions qui sont associées, Petroni, et ce sont un petit, oui. Hippolène qui se transforme en larmes. Enfin, c'est quelque chose de. Elle <laughs> par cœur. De... Mais complètement par cœur. Et donc pour moi, c'est c'est et des souvenirs d'enfance, ces souvenirs de lecture d'enfance sur lesquels de gens ont écrit, parce qu'il y a quelque chose de tellement puissant de, dans, dans les lectures d'enfance qui forment la personne qu'on devient plus tard. Quoi. Mais j'attendais vous rencontrer ce soir <rire> avec <laughs> une telle euh, délice envie. Euh, j'ai lu ce livre, mais, euh, moi aussi, dit, je l'ai ouvert, j'ai dit, oh non. Ouais. non, non c'est vrai que c'est le premier réflexe. Oh, ben, comment on va lire ça C'était celui de mon éditeur aussi. Vous êtes et vraiment et des adultes. Puis, hein. ouais. et, et puis <laughs> dans le tourbillon de ce livre, <laughs> tous les gens autour de moi, vous ne pouvez pas imaginer, c'est juste merveilleux. Mais oui, c'est merveilleux. Euh, c'est <laughs> fantastique. Alors, c'est merveilleux et Clémentine Beauvais propose un commentaire de notre époque euh, absolument saisissant. Et pour l'illustrer, bah, on va faire ce que Claude Ponty suggérait. Euh, tiens, lisons un passage euh, de ce roman. Bon, je pourrais le lire. Mais ça va pas être terrible. On va le faire lire. On va le faire lire. Tiens, Clémentine, par une de vos lectrices. Euh, elle a 11 ans. Elle a remporté il y a quelques mois un championnat de lecture qui s'appelle les petits champions de la lecture. Alors pour tout vous dire, je l'avais vu sur scène parce que je faisais partie de ce jury et j'ai été, mais alors stupéfié par sa façon de s'approprier un texte en lisant. Et <coughs> donc demander de venir lire ce soir et je vous demande d'applaudir Zoé Ponvi Regro. Bonsoir Zoé. 11 ans, en 6 maintenant. Mm. Ouais, C'était scène de l'année dernière hein, pour participer au Petit Champion oui. de la lecture. Alors, il y a un passage absolument magnifique qui illustre, je trouve, assez bien l'état d'esprit qui nous saisit un peu tous quand on est amoureux et que Clémentine Beauvais a replacé dans le contexte des nouvelles technologies. Vous savez, tous ces trucs, Frédéric Lenoir, ces bidules, ces machins qui envahissent nos vies. C'est page 93. Est-ce que tu veux bien, Zoé, s'il te plaît, nous lire ce petit passage Eugène, cette semaine-là, s'emballa très très sérieusement, très très énergiquement. Tout seul, glorieusement. Il s'emballa comme jamais il ne s'était emballé auparavant. Il lui fut très difficile d'attendre le samedi suivant. Il découvrit subitement l'impatience. Lui qui, adolescent, n'avait eu autant car rapport indifférent, désabusé, passif, lui qui n'avait rien attendu, jamais, était devenu un adulte en attente, comme tout le monde. Grâce à cause de son iPhone, de son trajet quotidien, attendant vaguement, comme tout le monde, des trucs le prochain email, le prochain bulletin météo, le prochain avion écrasé. Les prochaines élections, la prochaine mort d'un chanteur des années 80, le prochain attentat à la bombe. Un adulte avec une attente de poche comme tout le monde. Une attente à mettre à jour en attendant le métro. Toutefois, cette jeune attendant n'était pas normalement impatient. Il disait rarement "J'ai hâte, je voudrais déjà être à Vivement, ce n'était pas un homme pressé, c'était un garçon dont l'ennui qui l'avait autrefois habité entièrement avait fini par se loger dans son pouce, d'où il battait la mesure du temps qui passe en pressant une icône sur un écran. Il n'avait pas l'habitude d'espérer vraiment quelque chose de précis, de précieux, de puissant. C'était rien de spécial qu'il attendait tout le temps. Or, tout à coup, son attente indéterminée avait pris la forme de Tatiana. Bravo Quand on lit à haute voix comme ça, comme tu viens formidablement de le faire, Zoé, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu éprouves quand tu as les mots d'un autre, d'un écrivain, qui viennent en toi en fait, j'ai l'impression de m'envoler, euh, de devenir le personnage dont, euh, duquel on parle, euh, de ressentir euh, ce qu'a ce qu voulu écrire euh, l'écrivain et de me plonger dans le livre, euh, de vraiment ressentir euh, tout le livre. Euh, et j'ai envie de partager euh, tout mon plaisir euh, à tous ceux qui m'écoutent. En lisant. Voilà. Elle est formidable, non, quand même, Suzy Morgenstern. Ouais. Vous l'aviez vue, vous aussi, hein, euh, sur ouais. cette finale des petits champions de la lecture. Oui, ouais. c'était pas ma candidate, mais <rire> elle, <rire> elle, a, elle a gagné. Ouais. Clémentine Beauvais, vous savez quoi, quand on entend comme ça, euh, tout à coup, ce qu'on a écrit, ce qu'on a écrit en vers pour que ça rime, approprié, pris, emporte. Ah, ça y est, c'est plus à vous, c'est un, oh, un, une lectrice. Oh, bah oui, c'est un, un énorme bonheur comme. Euh c'est extrêmement bizarre. Hein. Ça, aussi, c'est vrai que c'est comme quand, quand on trouve son texte quelque part approprié, quand, quand on le voit en chronique, quand on le voit ouais. en vidéo, quand on voit toutes ces choses qui se passent avec. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment de, de « mais qu'est-ce qui s'est passé ?»« <laughs> comment, comment ça, ça a pu arriver ?» Et en même temps, c'est une chance, vraiment un privilège énorme. Merci beaucoup de, de m'avoir permis d'écouter ça. Alors justement, puisqu'on a une lectrice, euh, moi j'aimerais quand même poser quelques questions à la lectrice. Je sais, je sais que tu lis, Certains livres de Claude Ponty. Oui. On a lu Oui. Ils sont bien, les livres de Ponty Ah oui, j'adore. <laughs> C'est spontané. Hein C'est le cri du cœur. Et de Suzy Morgenstern. Oui. Aussi. Mm. Euh, à qui est-ce que tu parles de tes lectures ah, euh, À mes camarades. Oui. Euh, à mes professeurs. Souvent, on me demande des conseils euh, euh, à donner. Euh, et... Euh, donc voilà, je parle un peu à tout le monde mmh. euh, de, de, mes de mes lectures, mais c'est souvent à mes camarades, euh, aux personnes que je connais. Et alors là, par exemple, j'aimerais bien te demander un, un conseil de lecture pour les gens qui le regardent. Et pour Frédéric Lenoir, tiens, mmh. parce que comme il va dans les classes, j'aimerais bien qu'il lise aussi ce que les gens de 11 ans lisent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui donnerais à, à Frédéric Lenoir à lire Il ne faut pas essayer de bien lire. Il faut être normal. Euh, bien dans sa peau, et si on bute sur les mots, c'est pas du tout grave. Euh, si on n'y arrive pas, c'est pas grave non plus. Mais il faut se sentir à l'aise, faut pas trop forcer. Euh... Après, c'est vrai que si on bute, euh, c'est un peu dommage, euh... mais il faut vraiment se sentir à l'aise parce que, après, sinon euh, on va rien comprendre. <laughs> et si tu avais un livre à me conseiller? Un livre que tu as lu qui t'a fait te poser beaucoup de questions importantes. Ou une question importante. Songe à la douceur. Mmh. Ben bah voilà. Et quelles c'était ah oui. ouais. oh, On te torture. Il euh, bah, y a eu un moment où il y avait marqué « ce n'est pas un investissement le regret ». Et euh, ça parlait beaucoup du regret. Et c'est ce que je me suis posé comme question. Qu'est-ce que c'était vraiment le regret ça... ah, Attendez, en train de se passer un truc incroyable. <laughs> non, non, non mais, sérieux, il se passe un truc incroyable en ce moment. C'est-à-dire que ce que disait Frédéric Lenoir est vrai. Mm. C'est-à-dire que tout à coup, la philosophie surgit à travers des questionnements. C'est ça que tu as retenu, en fait, dans ce livre de Clémentine Beauvais. Qu'est-ce que vous répondez quand ça, euh, un ça, enfant, non mais Frédéric, quand, mais c est, c est quand un enfant dans une classe ou là, ce soir, mm. vous dit, mm. vous pose cette question-là, comment est-ce que vous réagissez ?– ah, Moi je ne réponds jamais, c'est-à-dire que je laisse les autres enfants répondre. Et... – ah, Attendez, nous on est tous des gamins. Oui, – Oui, donc après je vais dire… – Claude, l'enfant Claude répondrait ah, quoi à ça ?– On va dire, qu'est-ce que ça fait écho chez toi ce que vient de dire euh, Zoé ?– Moi il faut que je parle là, pardon, <laughs> euh, je dirais merci. Euh, je dirais, euh, euh, ça m'intéresse énormément de savoir euh, pourquoi tout d'un coup euh, la notion de regret devient un continent, pas au sens de j'y arrive pas. Comment, comment vous l'écrivez Un <laughs> hein, <alors, rire> continent. Comment tout d'un coup ça prend cette ampleur, cette, cette vastitude de, de de réflexion parce que c'est, je trouve, moi ce euh, tout. Il arrive qu'on me demande quel est mon livre préféré. J'ai pas de livre préféré pour cette raison-là, c'est-à-dire que chaque livre que j'ai fait, au moment où je l'ai fait, j'étais heureux, content, c'était le plus beau, etc. Puis après, c'est un livre parmi mes autres livres, mais avec le temps qui a passé, chaque livre que j'ai fait, il y a une réaction au moins d'un enfant qui m'a écrit ou qui m'a parlé et qui m'a dit des trucs tellement profonds, tellement parfois dévastateurs mais et, et tellement, qui rend tellement heureux parce qu'on se dit euh, « Pouh, j'ai pu faire ça !» que je ne peux pas aimer un livre plus qu'un autre. Mmh. Mais, mais moi, je suis en, en gratitude permanente envers les enfants, spécialement les petits. Je croise un bébé dans la rue, je pète la forme pendant 20 minutes. Il n'y a rien à faire. – Et vous répondez à une question de Frédéric Lenoir par une autre question. Euh... <coughs> Catherine Beauvais, il y a une vraie question qui se pose et qui traverse tout le livre, c'est la suivante. Finalement, quand on est ado et qu'on pense à une vie de couple, est-ce qu'on se dit ça va pas marcher, on va s'ennuyer ensemble, ou est-ce qu'on se dit euh, songe à la douceur, mon âme, est-ce qu'on est, est... Qu est Pushkin ou est-ce qu'on est Baudelaire uh, Oui. Um... Je pense que les, les adolescents euh, maintenant, et, et c'était certainement déjà mon cas euh, il y a une dizaine d'années, euh, sont très très partagés entre cette, cette philosophie du d'essayer tout, essayer très vite, essayer beaucoup, et, et avoir une vie qui est faite d'énormément de changements, et en même temps ce désir de stabilité en réponse à un monde où tout change tellement mmh. vite. Et où, on, et, et, et je me souviens que quand j'étais ado, ma mère se moquait un peu des, des petits couples. Euh, on, on formait très vite des couples très très intenses quand on était ado, et elle s'en moquait. Peu, et je pense qu'il y a vraiment ce désir-là de, de trouver quelque chose de stable, euh, de trouver quelque chose qui dure. Et en même temps, constamment, est-ce que je ne vais pas regretter Est-ce que je ne vais pas regretter toutes ces autres occasions que j'aurais pu prendre Est-ce que je ne vais pas regretter tous ces autres choix de vie que j'aurais pu suivre Toutes ces autres orientations que j'aurais pu. Je vous rassure, hein, ça dure toute la vie. Hein. Ouais. Y a toute une littérature là-dessus, ça ne s'arrête jamais. Oui, c'est vrai, mais je pense que les ados maintenant sont extrêmement exposés à la pluralité des choix, de manière extrêmement vive, dans, dans plein de plateformes différentes, que ce soit numérique, à la télé, euh, dans la littérature, et que c'est une, une vraie angoisse qui, euh, qui nous anime tous, mais qui, qui arrive peut-être de plus en plus tôt. Ouais. Songe à la douceur, c'est le titre donc, de ce roman. Je ne suis pas certain que ce soit un livre uniquement, vous savez, pour les adolescents. La preuve, c'est que Zoé, 11 ans, l'a trouvé, je crois, très beau. C'est que euh, Frédéric, euh, j'ose pas dire son âge, ni, ni moi le mien, on a trouvé ça formidable. Je crois que ça, vous l'auriez sorti chez un autre éditeur. Bacan, c'est vachement bien. Hein vous l'auriez sorti chez un autre éditeur, par exemple, en entrée littéraire, vous savez, un truc à couverture blanche et liseré rouge. Ça passait vraiment pour un livre... Euh, toute catégorie. Voilà, c'est formidable. Songe à la douceur. Zoé, je te propose quelque chose. Tu restes avec nous. Hein Encore une petite, euh, allez, presque une heure ensemble, euh, à parler de littérature, à écouter Suzy Morgenstern, Claude Ponty et puis Arnaud Catherine parler de leurs livres. Et à la fin, j'aimerais bien que tu nous, tu nous dises un peu ce que tu as retenu de l'émission et les livres sur lesquels tu vas te jeter en premier. D'accord Allez, les petits champions de la lecture, euh, c'est en ce moment que ça se déroule. C'est un jeu national, évidemment. C'est gratuit et c'est pour tous les enfants scolarisés en classe de CMD. Euh, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 4 janvier prochain à l'adresse qui est en train de s'inscrire en bas de votre écran et que vous retrouverez, bien évidemment, sur les fameux réseaux sociaux. Bah oui, on en a aussi ceux de l'émission. Euh, Arnaud Catherine. Alors, Arnaud Catherine, question. Tiens, on reste dans les questions, Frédéric Lenoir. Il en pose une excellente, Arnaud Catherine. Qu'est-ce que ça signifie avoir 17 ans en France et en 2016, c'est-à-dire 17 ans à l'époque du terrorisme et de la violence aveugle. Je rappelle, Arnaud Catherine, que vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, dont plus de la moitié pour la jeunesse. Les autres romans sont euh, lisibles à mon avis à 17 ans, comme à 27, 37, 47, 77. Vous, vous aimez décloisonner. Ouais. Vous avez monté un groupe de musique mmh. avec Florent Marchais, ça s'appelle Frères Animal. Le deuxième album vient de sortir. Euh, avant une série de concerts, hein, un peu partout euh, dans France, je voudrais qu'on fasse les présentations avec, on parlera de Frère Animal sur si un instant tout à l'heure, mais avec Combe, le héros de ce roman, euh, qui inaugure une nouvelle collection pour adolescents aux éditions Robert Laffont. Oui, c'est la collection R. Enfin, ça n'inaugure pas. C'est une collection qui existe depuis un certain temps et que j'aime beaucoup parce qu'elle est culottée. Et l'éditeur, Glenn Tavnek est culotté et audacieux. Voilà. Et il faut ça en littérature jeunesse, sinon on retombe dans une, une littérature du Moyen-Âge. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'audace aujourd'hui, en 2016 C'est euh, censurer, n'avoir aucune exigence de censure. C'est horrible, en ce Donc pas de tabou Si possible. Savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Voilà. Je crois que c'est assez important en littérature, et y compris pour la jeunesse. J'aime bien mais... l'idée. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller trop loin C'est pas de moi. Hein. C'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on disait Côme Ouais, c'est qui Côme ce garçon de 17 ans Alors euh... c'est un, un provincial ouais, de 17 ans, petite ville moyenne, et on est en janvier, et il va vivre la même semaine de choses très, très contradictoires. Un premier amour. Mmh. Esther va enfin le regarder, Esther va enfin prendre acte qu'il existe, et elle va même avoir envie de l'embrasser. Avec une question absolument géniale que vous posez au tout début, page 25, moi j'ai adoré. Comment garder le coup d'un baiser, mmh. qui sait ça, le goût d'un baiser Personne. Ben c'est vrai ça, vous savez comment on fait pour garder le goût d'un baiser, vous Clémentine Ça aide si la personne porte du gloss à la fraise. <laughs> Comme chez vous, pas dans vos romans. Ah zut Donc voilà, ce com' il va connaître euh, le premier amour et la perspective de, 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 de la première fois. Et puis c'est la semaine de Charlie. C'est celle à janvier 2015. Euh, voilà, c'est la semaine de Charlie, de l'hypercachère, de Damartin. Donc c'est euh, l'exaltation la plus merveilleuse, la passion amoureuse. Et puis c'est à travers les écrans parce que je voulais vraiment ça, euh, étant provincial moi-même et parce que j'étais en train d'écrire *Animal* avec Florent Marché en province quand ça s'est passé. Je voulais vraiment raconter cette histoire à travers les écrans. Euh... Alors les écrans, faut préciser. On parlait tout à l'heure des réseaux sociaux avec Frédéric Lenoir et avec Clémentine Beauvais. Là, il ne s'agit pas tellement des réseaux sociaux. C'est le flux de images des chaînes d'infos. Ouais. Vous dites à un moment, elle déréalise totalement. Ben oui, euh, ce, ce, ces images sont censées nous mettre euh, au plus près du réel et finalement elles déréalisent tout. Et même elles nous mettent dans un embarras euh, qui s'est ajouté cette fois-là à l'effroi c'est que parfois ça devient un film à suspense avec des écrans séparés en deux, des animateurs qui sont dans un petit carré mmh. en bas à droite. Et il y a un moment, on doit se secouer, euh, distancier tout ça parce que ouais, ça, ça tend à devenir. Euh, euh, un film à suspense et ça c'est euh, c'est pas tenable quoi. On ne peut pas supporter ça. Euh, donc voilà, donc ce il vit ça et avec son groupe parce qu'ils sont plusieurs. C'est une petite tribu d'ados quoi, euh, qui est comme toutes les tribus, qui aime zoner, qui aime euh, aimer, rêver. Il va fumer des trucs pas forcément hyper légaux euh, le soir okay, euh, au stade creler, de foot. Tout ça. Voilà. Et là qui va être repris par des effets de réel, mais complètement étranges et contradictoires. Le réel de, de la passion amoureuse, de la pulsion sexuelle, quoi de, de plus beau. Et puis, euh, essayer de mesurer, comprendre mmh. ce qui se passe à Paris et qui est de l'ordre de, de l'inimaginable parce que c'est la barbarie sauvage. Alors, euh, vous évoquez, Frédéric Noir, vous aussi, à un moment, euh, la question de la mort, de la mort brutale, euh, qui est évidemment au cœur aussi, Clémentine Beauvais, de votre roman. Quand euh, les adolescents, les jeunes, les, jeunes les préadolescents, les... allez, on dit les Jean-Claude avait raison de dire ne pas ce mot adolescent, les, les jeunes, quand ils euh, vous posent des questions sur ce qui s'est passé le 7 janvier 2015 sur le terrorisme, ce qui est une autre forme de mort, une mort mais brutale, mais violente, apportée par l'autre. Comment répondez-vous Ils en parlent tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quasiment un atelier philo où il n'y a pas un enfant qui va trouver une manière de parler du terrorisme. Tellement ils sont pris par ça qu'ils se posent des questions là-dessus. Et c'est très présent et des fois de manière très signifiante. Le dernier atelier philo que je l'ai fait, c'était il y a un mois et demi, je l'ai fait avec des enfants de CM1, c'est-à-dire des enfants qui ont à peu près 9 ans. Et la question, c'était qu'est-ce qu'une vie réussie Et plusieurs enfants commencent à partir autour de l'idée du bonheur. Avoir réussi sa vie, c'est avoir été heureux. Si on a fait ce qu'on a aimé, si on a réussi à s'épanouir, on a réussi sa vie. Puis il y a un enfant qui lève la main en disant Je ne suis pas d'accord. Pourquoi tu n'es pas d'accord Et il dit Parce que les terroristes, ils ont tué un tas de gens et ils étaient heureux. Eh ben, je ne peux pas dire que leur vie est réussie. Et alors je lui dis c'est quoi la vie réussie pour toi Elle me dit euh, une vie réussie, c'est à la fois peut-être arriver à s'épanouir, mais c'est aussi ne pas avoir fait volontairement du mal aux autres, avoir essayé d'être utile et d'avoir apporté quelque chose aux autres. Et alors là, je lui dis tu sais ce que tu dis là Il y a un philosophe qui s'appelle Socrate, il y a 2500 ans, qui dit la même chose que toi. Il dit la vie bonne, ce n'est pas la vie heureuse. La vie bonne, on rajoute la justice et l'éthique. Et là il me dit je suis content de savoir que Socrate pense comme moi. <laughs> est-ce qu'on peut être heureux dans un monde qui est un monde déchiré, qui est un monde bouleversé C'est aussi la question qui d'une certaine manière traverse Côme, il découvre l'amour, cette passion, cette flamme. Alors, là, vous montrez très bien hein, les émois amoureux de ce garçon un peu un peu mal dans sa peau, un petit peu solitaire même s'il est avec sa bande. Et en même temps, cette question qui vient tout de suite, est-ce que je peux vraiment aimer et être heureux et être aimé dans ce monde-là, dans ce monde injuste, dans ce monde violent, de son monde que je veux rejoindre aussi, puisqu'il monte à Paris, puis qu'il est confronté à une autre violence, dites donc, celle des garçons entre eux, quand ils votent un petit peu à droite de la droite. Oui, parce qu'il y a la grande histoire, la grande histoire tragique dans ce livre, cette semaine-là de janvier, mais il y a aussi la petite histoire, si je puis dire, mais qui parfois est tout aussi violente, dans la cour de récré, <coughs> ouais, ouais, avec euh, les brimades ou, ou des choses qui vont beaucoup plus loin. Euh, des, des acteurs racistes etc, etc. tout ce qu'on connaît de, de notre france qui connaît en ce moment un hein... Des, des choses comme ça, une espèce de vent réactionnaire et, qui, qui, moi, m'angoisse énormément. Et, et quand quelque chose m'inquiète ou m'angoisse, j'essaye d'en faire quelque chose dans les livres ou, ou là avec Florent dans, dans, en musique. C'est-à-dire que vous considérez que c'est un roman engagé aussi à travers... Il euh, y a deux personnages. Il y a Esther qui est une jeune ado qui, elle, dit allez, on va à la manif pour tous, il faut y aller, il faut marcher. Mmh. Et puis, il y a une, une, une prof que je trouve géniale. Euh, qui est. Euh, elle ne euh, pas aller pardon, à la manif pour, pour la tous. Elle Pour manif le mariage pour tous. ouais ouais J'avais euh, oublié que ça avait été euh, confisqué par certains. <laughs> euh, pardon. Euh, non, là, le mariage pour tous. Et puis surtout à cette manif, euh, cette marche hein, du, 11, elle veut du 11 janvier. aller marcher le dimanche 11 janvier. Ouais. Et puis il y a un autre personnage, moi, que je trouve génial. C'est la prof lesbienne qui leur montre au théâtre des choses qui n'ont rien à voir avec le cours. Elle leur fait jouer ça. Eh oui, elle est 20, ah, 20 ans. Védekine. C'est-à-dire elle leur, elle leur fait jouer un classique, censément, mais qui ne parle que d'une chose. C'est ce qui se passe dans le corps d'adolescents qui découvre la sexualité et, et qui découvre même la pulsion morbide. Et ça, quand Comme découvre ça, il se dit, mais alors, c'est ça les livres aussi C'est ça la littérature C'est juste la vérité mmh. qu'on m'avait peut-être pas cachée, mais que... Voilà, on disait on en parlera avec le gamin quand il sera plus, quand il sera plus vieux, quand il sera capable d'entendre, soi-disant. Et tout d'un coup, les livres mettent les pieds dans le plat. Moi, c'est ce que j'adore en littérature et en littérature jeunesse. Pourquoi pas mettre les pieds dans le plat si on le fait avec euh, poésie et, et un peu de lumière Alors, il y a un passage qui est, qui est très bon, où justement, comme se dit, mais en fait, Védéquine, ce franc l'éveil du printemps, c'est quelque chose qu'on ne donne pas très souvent à lire, évidemment. C'est du théâtre, ça a été écrit en 1891. Hum. Autant dire euh, le du paléo, moyen -âge. Euh, ouais, voilà, au-delà du Moyen-Âge. Et il se pose la même question que moi. Ouais. Qu'est-ce que je fous là Et là, Arnaud Catherine ajoute Qu'est-ce que je fous là Bordel. <laughs> On est en 2016. Oui, pourquoi pas C'est marrant, c'est une, une conversation que j'ai souvent avec les, les, les enfants ou les adolescents quand je vais dans les classes. Ils commencent toujours, et c'est très touchant, <laughs> ce que je disais tout à l'heure, par dire Monsieur, monsieur, pourquoi il y a beaucoup de gros mots dans vos livres <laughs> Et certains disent Je suis choqué. Bon, ouais. Alors je leur dis non, je ne te crois pas une seconde, tu n'es pas du tout choqué. Et même ça te plaît. Et on en arrive là euh, à, à expliquer que dans un livre, ce n'est pas un devoir, euh, ce n'est pas la classe. Un livre, il est là aussi pour euh, euh, rendre justice à certaines situations de la vie où on ne dirait pas flûte, mais merde. Et puis il y a un mot qui a été prononcé, voilà. je crois que c'est Clémentine qui l'a dit tout à l'heure honnêteté. On n'est pas là pour écrire bien vous êtes là pour écrire et nous pour lire bien. On a envie comme ça que ce soit les vrais mots d'aujourd'hui et que tout ça forme ce qu'on appelle y un y style. Il y de la poésie dans le prosaïsme, dans un lexique totalement relâché et familier. Euh, la poésie, évidemment, ce n'est pas affaire euh, d'un grand style d'un autre temps. Qu'est-ce qu'il y a à la place du cœur, puisque c'est le titre de ce roman <laughs> Il y a que des questions dans ce livre, alors je ne sais mmh. pas si je peux répondre à ça. Non. Il se demande, euh, en fait, s'il si, si pose cette question dans cette première saison-là, c'est parce que. Cette semaine-là, il culpabilise énormément d'être amoureux. Parce qu'il sait qu'il se passe quelque chose de tragique dans son pays. Et il se demande s'il a le droit d'être amoureux. Et il se demande qu'est-ce que j'ai à la place du cœur Mon cœur est envahi par Esther alors que des gens meurent. Et il est totalement évidemment déstabilisé par, par cet élan de culpabilité qu'il va devoir résoudre, il va devoir en faire quelque chose. Et pour ça, aller avec la main d'Esther dans la sienne mmh. marcher le 11 janvier va être quelque chose de salutaire. Saison 1, ça ouais. veut dire que c'est une ouais, série, ça veut une dire. série littéraire. Ça aussi, mmh. c'est assez euh, jouissif de voir comme ouais. ça des jeunes écrivains d'aujourd'hui s'approprier les codes de ce qui vient d'ailleurs, en l'occurrence euh, la télévision. Mais dans ce cas-là, de bon. Saison 1, c'est-à-dire qu'on attend la saison 2 La saison 2, pour très bientôt, je l'ai terminée il y a trois jours. Formidable <laughs> ah, C'est bien ça C'est chez Robert Lafont, c'est bien, disent-ils. Oui. Vous avez aimé C'est gentil ah, bah, oui. Bien sûr ah oui. ouais. Ouais. Et, et, et puis, euh, ce que, ce que, ce que j'ai adoré, c'est la fin qui est au Ah, dis-toi rien, dis-toi rien. Euh, Mais, ça, pas. Donne de ouais. ça donne de l'espoir. La saison 2 sera encore et... plus dans l'horizon et la lumière. Euh, ouais. Ouais. Mmh. Oui, parce qu'on part de loin tout de même. Hein. Ouais. On part d'un petit peu sombre. Mais 2015 a été une année très sombre pour. Voilà. Pas faux. Bon. Mais même s'il est. Si le temps change, évolue, moi, mon adolescence, elle est vieille. Mais qu'est-ce que je me suis reconnu dans ce bouquin Je me dis les adolescents d'aujourd'hui sont un peu les mêmes que les adolescents d'hier. Je retrouvais toutes mes émotions, mes paradoxes de l'adolescence. Puis je dois vous avouer quelque chose, j'ai été particulièrement ému quand vous parliez du premier baiser. Parce que ça m'a rappelé un souvenir très autobiographique et je soupçonne que ce soit aussi quelque chose d'assez personnel. Je C'est qu'il était totalement déstabilisé. Non. Lorsque la fille a mis la langue. Eh oui. Et moi, il m'est arrivé ça. Et je me suis dit, mais elle, elle arrête, elle me dit, mais il faut mettre la langue. Et moi, qui étais un romantique éperdu, je ne comprenais pas ce que ça apportait de mettre la langue. J'avais 13 ans, j'étais un peu jeune. J'ai compris quelques années plus tard. Vous avez vu que ça vient mais, vite. Ça vient très vite. Ah, ouais. Mais on retrouve des souvenirs comme ça, forts de notre adolescence. À mon tour ce soir de vous raconter une petite histoire. C'est celle d'une fille, d'une jeune fille qui a réalisé son rêve devenir libraire. Elle s'appelle Rachel Cheneau et elle s'est fixée une mission, figurez-vous, trouver le livre qui donnera envie de lire à vos enfants. Inès de la Mode Saint-Pierre a été la voir. Sa librairie se situe à Tours, la ville de Balzac. Regardez. Pomme, pomme, pomme. Une petite pomme sur son pommier, une petite pomme qui est tombée, une petite pomme qui l'a croquée. La famille grenouille la et famille. la femme. Et là, c'est la fête. Dis donc, mon petit canard, je te trouve bien inconscient de venir me déranger en pleine sieste. Clair. De plus, j'ai rien mangé depuis ce midi et c'est l'heure de mon goûter. Tu devrais être mort de peur, là. <laughs> c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Moi, j'ai grandi ici, hein, je suis tourangelle. J'ai toujours grandi dans cette librairie. Je venais, euh, je venais avec mon père, je venais avec ma mère. Après, des fois, je venais toute seule. Et puis, euh, voilà, j'ai la chance euh, d'avoir un métier qui me passionne et d'avoir un petit peu quand même réalisé mon rêve, quoi. Vite, vite, nous baillons. Y a-t-il un petit coin pour la famille cochon Et un enfant, on le berce de mots tout de suite. cest dire que même dans le ventre de sa mère, on peut tout de suite lui raconter des histoires. Et moi, j'ai pris ce parti pris, de me dire que mon engagement aujourd'hui en tant que libraire, c'est d'instaurer un vrai dialogue avec le livre et l'enfant. Nous, on travaille avec tout le monde, les associations, bibliothèques, air, enseignants, etc. Avec euh, tout, tous les bénévoles, en fait, tout ce qui peut être propice à mettre le livre partout. C'est gagné, quoi. Alors, ce livre-là. C'est un vrai bijou. Le livre qui a changé ma vie, c'est Moi Boy de Roald Dahl. Ce sont ses souvenirs d'enfance, hein, c'est des tranches de vie. C'est plein de fantaisie, c'est loufoque, c'est Farfelus, très bien écrit. C'est euh, toute la peinture d'une enfance dont on rêve finalement. Elle a changé ma vie parce que déjà j'étais une petite fille un petit peu dyslexique et euh, la lecture c'était quelque chose qui était drôlement difficile parce que je mettais du temps et j'avais l'impression d'être moins douée que les autres donc en fait la lecture je l'avais mise un peu de côté et euh, du coup quand je suis entrée dans Moaboy, je me suis dit Mais en fait je peux lire et en fait à partir de là j'ai lu j'ai lu j'ai lu et je me suis jamais arrêtée en fait et c'est ces livres là qui sont des petites pépites des petits déclics et qui permettent de faire basculer l'enfant dans la lecture euh, peut-être à vie. Mais oui, ça bascule et à vie dans la lecture. Quand on est tombé dedans, on ne s'en sort plus. Et tant mieux. C'est bien le seul piège dans lequel on a tous envie de tomber, la lecture. Allez, on continue avec Suzy Morgenstern. Ah, alors, elle a tout dit, hein, Clémentine Beauvais, tout à l'heure. C'est que vous êtes euh, l'une euh, des romancières qui a permis à tant, tant, tant. Euh, d'enfants, de devenir des grands lecteurs, et puis parfois, à certaines, de devenir des, des romancières. Je rappelle que vous êtes euh, américaine euh, d'origine, vous êtes née à Newark, aux États-Unis, dans Come. la banlieue de New York, Come. comme, <laughs> comme Philip Ross uh, et Paul Auster. Paul Auster. Pas mal C'est très chic. Et, et en est toi Billy Broad, Paul Stern et moi. Et vous êtes l'auteur, Suzy Morgenstern, d'une œuvre très importante, un peu plus de 120 livres, euh, disais-je tout à l'heure, traduit dans le monde entier. Vous publiez à l'École des loisirs un roman. Alors, pareil, je ne sais pas si c'est pour adolescents ou pas, c'est une adolescente qui est l'héroïne. C'est un roman au suspense psychologique implacable, espionnage intime. Votre héroïne s'appelle Angélique, porte bien son nom, hein, Angélique. Elle a 15 ans, c'est une enfant sage. Pas de crise d'adolescence, elle est presque bien dans sa peau. Mais tout bascule le jour où sa mère lui offre un journal intime. On croit bien faire, et puis comment est-il né ce roman, Suzy Morgenstern, dont euh, les héros, un peu comme chez Claude Ponty, dont on parlera dans un instant, sont les mots en réalité, les mots que l'on consigne, les mots avec lesquels on peut jouer, et puis parfois faire du bien, parfois faire du mal. Ça joue un rôle important dans ma vie. Euh, je tiens un journal intime depuis l'âge de 7 ans. Et tous les jours, je commence ma journée en écrivant dans mon journal intime. Tous les jours? Encore aujourd'hui. Mais est-ce que c'est un journal qui a vocation à être publié un jour? Non. Non. Qu'est-ce que Et... vous notez dans votre journal intime, par exemple? Euh, demain, ça serait que je suis passée à la grande librairie <laughs> et que j'ai rencontré Clémentine, Arnaud, Claude, Frédéric. Enfin, je, je, je raconte la veille tous les jours, comme pour garder la mémoire parce qu'on oublie ce qu'on a fait la semaine dernière ou hier. Ouais. Ou... Est-ce que vous y mettez des secrets parfois, des choses que personne ne doit lire, très intimes? Je n'ai pas de secrets. C'est pour ça, que quand Arnaud dit euh, Oh non, euh, je ne dis pas, euh, moi je dis tout. Je, 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 je n'ai hein. pas de surprise. Et, et pour moi, euh, je, je, je lisais mon journal intime à ma mère. Ah ben, il est un peu moins intime, là, tout de suite, <laughs> -même, le journal, non <laughs> qui, qui tient un journal Est-ce que, Zoré, tu tiens un journal intime Oui. Tu le lis à ta mère non. Ouais. non. Je ne serais pas je... très contente si ta mère le lisait. Non, en Fanny. Fait, ah oui faut pas lire Espionnage Intime alors. On ne va pas tout dévoiler, hein, Suzy Morgenstern, hey, parce que vous réussissez à tenir un suspense qui est hyper, hyper bien euh, ficelé. Euh, Arnaud Catherine, journal intime, pas journal intime euh, Journal intime de façon assez irrégulière, avec énormément de choses très indigentes et inintéressantes, mais parfois deux, trois paragraphes que je vais recycler dans des livres. – D'accord, donc c'est un journal qui est un… un – pour moi, c'est entre un moi et, et moi. – Un pour le travail. – C'est une extension, c'est la table de chevet du divan euh, de chez mon psy, en fait. Donc ça ne regarde pas vraiment le lecteur et c'est littéralement totalement inintéressant. Euh... – Moi je crois que le mien aussi est complètement inintéressant. C'est une pour... garde-mémoire. – Pourtant Frédéric Lenoir, il y a des journaux intimes hein, dans l'histoire de la philosophie qui sont absolument passionnants, à miel entre autres euh, et beaucoup d'autres. Vous, vous êtes un lecteur de journal intime, Charles Juliet par exemple ?– Alors pas tellement, effectivement c'est une lacune. Mais vous avez raison, c'est vrai que le journal intime est une, est une source extraordinaire de compréhension de la personne. Et chez les philosophes, c'est très intéressant parce qu'on découvre, lorsqu'on lit des lettres notamment, je lis plutôt les correspondances que les journaux intimes, mm. mais lorsqu'on lit la correspondance, qu'on voit la correspondance de Spinoza ou de Schopenhauer, on s'aperçoit qu'en fait, ils philosophent à partir de leur sensibilité. Euh, un philosophe est toujours marqué profondément par ce qu'il est dans sa sensibilité, dans ses émotions. Et donc on comprend mieux pourquoi Schopenhauer est un philosophe pessimiste qu'on voit la vie qu'il a eue, qu'on voit les tristesses, les peurs qui l'ont habité, ou que Spinoza est un philosophe joyeux et optimiste, qu'on comprend son caractère et sa personnalité. Donc je crois qu'il ne faut pas se leurrer. La philosophie... Oui, c'est l'universel, c'est la raison, etc. Mais cette raison, elle est toujours liée pour chaque individu à sa sensibilité personnelle. Alors on va parler de sensibilité, justement, parce qu'en réalité, c'est ça, hein, Angélique. C'est une sensibilité à qui, tout à coup, on enjoint euh, peut-être d'être un petit peu moins sage. Elle est trop sage, presque. On lui offre un journal, il faut bien écrire quelque chose. C'est vrai qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle pourrait bien noter dans son journal quand on le lui offre mmh. Oui, euh, non, elle, elle, elle raconte euh, sa vie de tous les jours au, au collège. Euh, elle elle, elle n'a pas de problème. Euh, mmh. euh, au, ni au départ, on trouve ça une très bonne idée. Alors qu'est-ce et... qui peut bien se passer pour que tout à coup cet enfant sage commence à raconter qu'elle bah, a fait un peu comme les personnages de chez Arnaud Catherine, c'est-à-dire que le soir, ils ont été boire des bières et pas que. Et puis le deuxième jour, euh, c'est les garçons. Bon, Ce n'est pas seulement avec la langue, hein, Frédéric Lenoir. Et puis ensuite, euh, c'est carrément la drogue, enfin, c'est la descente aux enfers d'Angélique. La débauche. La débauche totale. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, on ne peut pas tout à fait dire. Euh... Mais est-ce qu'on peut dire une chose C'est qu'on peut jouer avec les mots, s'amuser avec un journal. Ça sert à ça aussi, l'écriture, à, à, à montrer que les mots peuvent être des armes aussi. Oh, pour moi, c'est certainement ma drogue avec la nourriture, malheure, malheureusement. Mais c'est écrire, oui. Et dans, je me suis rendue compte dans le livre de Clémentine, euh, dans le livre de Claude qui dit euh, lire, 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 lire. Clémentine dit Je lis, je lis, je lis, je lis, je lis. Mm. Et moi, chez moi, je ne parle jamais de lire. Ah oui? Ça me paraît tellement évident ouais. de lire. C'est comme si on disait... Euh, respire, respire, et, respire. Respirez ou allez faire pipi. On ne parle jamais de quelqu'un qui va faire pipi dans un livre. Jean-Pierre. <laughs> <aimer. rire> et et, et je, je... Chez moi, on écrit. Dans tous mes livres, on écrit. Mais on ne lit jamais. Et je me jure de de faire lire euh, mon personnage dans les prochains livres. Euh, elle apprend, ou elle dit dans son journal, qu'elle découvre la débauche, cette très sage Angélique. Et c'est vrai qu'en lisant ses aventures, euh, sont je me suis dit, tiens, mais en fait, c'est la petite sœur de quelqu'un qu'on connaît bien. Je ne sais pas si c'est un livre jeunesse, ça, mais je peux vous dire que c'est un livre génial. La Trappe-Cœur. C'était mon livre Olden choc. Euh, mon livre choc. Ce gamin qui va se balader dans les rues de New York entre les bras des prostituées, qui vomit dans les taxis, qui est à moitié bourré, qui va de bordel en bordel jusqu'à Central Park. Et cette fameuse question existentielle, vous la connaissez, Frédéric Lenoir. Non. Mais mon Dieu, où vont les canards de Central Park quand il gèle l'hiver <laughs> C'était un clin d'œil, une envie de, de, de faire naître une Holden Caulfield française Holden Caulfield est, est, est présent à moi dans tous mes livres. C'était le livre de, mmh. de mes 13-14 ans. Je, je l'ai relu récemment ouais. avec beaucoup de déception. Oh non, mmh. oh non. vous ne pouvez mmh. pas me dire mmh. ça. <laughs> non. Non, la et, et non. Je, je me demande s'il faut relire la les fin, livres en attendant d'aimer sur la falaise, quand tu trop... Mais je, je crois que ma déba... la débauche chez Angélique est beaucoup plus jouissive que Holden Caulfield. Il euh, y a la même idée, hein, finalement, c'est que les adultes, avec leur morale, Frédéric Lenoir, on n'en peut plus. Euh, leur fausse morale, leur hypocrisie, comment est-ce qu'on y échappe quand on est euh, une jeune fille de 15 ans en écrivant en, écrivant. en écrivant, en lisant, comment on, euh, elle s'en est bien sortie, je crois. C'est ce elle pose. Y a dans, dans les trois livres, ouais. le, le conflit avec euh, la la pensée obligatoire euh, induite par les parents. C'est un, un conflit qui est éternel, sauf que les éléments du conflit ne sont pas les mêmes. Ça, ça change à, à chaque fois, mais c'est vrai qu'en ce moment, on, 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 quand on discute avec des adolescents ou quand on lit ce qui est, ce qui est écrit là, c'est qu'il y a... Y a il y a quelque chose dans le déséquilibre permanent qui finit par, par construire un équilibre. Ils sont, ils sont tellement au le cul entre deux, trois, quatre, cinq chaises qu'ils euh, sont tout le temps en train de vaciller. Mais comme ils vacillent comme ça, <laughs> ça finit par faire une ligne droite, ce qui est une espèce de définition de l'adolescence. De finir par y arriver, quand même, quoi qu'il quoi qu arrive. Et à tomber sur soi et à s'inventer. Je crois ouais. que c'est de plus en plus ouais. difficile, ça. C'est très fort. C'est toi qui parlais, Clémentine, de cet éventail de choix qui n'est même plus ouais. un éventail, qui est une. Ouh. Et euh, comment savoir où on est, qui on est Bon, ouais. ça, on a toute la vie pour le découvrir, mais ouais. comment devenir là-dedans Il faut deux, trois balises il faut deux, trois ouais. choix ouais. fondamentaux, quand même, pour commencer à devenir. Oui. Ça, et l'invention fait... de soi, c'est... quelque chose qui me trouble énormément quand je le lis chez les autres, parce que moi, à 7 ans, j'avais décidé que je serais peintre, et <laughs> j'ai pas eu de, de... Je suis pas entré du tout dans ces, ces questions de, de savoir quoi faire, comment le faire, avec qui le mmh. faire. Était, je ne serais pas un trop maudit et je ne serais pas <laughs> un trop maudit, un point, c'est tout. Et, et j'ai largué tout le monde, mes parents, tout le monde, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et, c et, et par exemple, euh, quand, quand euh, ma fille a commencé à me dire qu'elle ne savait pas trop quoi faire, qu'il fallait qu'elle réfléchisse tout, pardon, j'ai recassé <laughs> le verre, j'étais les bras ballants parce que je, je n'avais aucune expérience dans ce domaine. Mmh. Et je me rendais compte tout d'un coup que c'est la vie de tout, pratiquement tout le monde d'être euh, en porte-à-faux en permanence et d'essayer de trouver euh, par où passer pour euh, respirer un peu. Je voulais revenir sur cette idée justement de la morale obligatoire hein, qui, est, qui est effectivement un petit peu imposée. Alors c'est compliqué parce que en même temps, euh, la morale c'est nécessaire. On ne peut pas vivre en société s'il n'y a pas une éthique, s'il n'y a pas des règles, si on ne comprend pas les règles de vie commune. Mais on ne peut pas l'imposer. Et j'ai eu une discussion très intéressante lorsque j'ai fini ce, cette, cette étude de terrain avec les enfants. J'ai été rencontrer les gens du ministère de l'Éducation nationale. Et là, j'ai rencontré la ministre et puis Abdénour Bidar, qui est inspecteur général de philosophie. Je discute avec eux, je leur explique ce que j'ai fait. Pendant deux heures, je leur ai expliqué ce que j'avais fait. Et ils m'ont dit c'est formidable, parce qu'il existe depuis deux ans un cours d'instruction morale et civique. C'est une heure obligatoire dans toutes les classes. Le but, c'est de former une conscience citoyenne. Sauf qu'ils me disent, ça marche plus parce qu'une fois que vous avez qu'un enseignant transmette la morale, ben finalement, les enfants, ils sont passifs par rapport à ça, ça leur semble imposé, ça ne marche pas vraiment. Et là, ils ont compris que la meilleure manière d'éduquer la morale, c'est le questionnement philosophique. Et donc, on pourrait, au sein de ces, des cours d'instruction morale et civique, il y a un espace pour ça, former des enseignants pour qu'ils fassent des ateliers philo. Et là, vous n'allez pas leur dire, euh, il faut respecter autre chose, vous allez leur dire... Pensez-vous qu'il soit nécessaire de respecter autrui Pensez-vous qu'on puisse répondre à la violence par la violence L'autorité est-elle légitime Et en discutant entre eux, ils arrivent à des conclusions, qui peuvent être parfois des conclusions qu'on aurait pu leur enseigner. Mais parce que ça vient d'eux... Parce que c'est dans la confrontation, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, ça a une force extraordinaire. Donc je crois que la morale, ça ne s'enseigne pas, ça se découvre et ça se découvre beaucoup par le questionnement. Alors vos personnages, Suzy, Morgenstern, euh, enfin, Angélique notamment, euh, son père et sa mère vont aussi euh, à leur manière découvrir la morale. C'est compliqué hein, d'en parler parce que je ne voudrais pas dévoiler le suspense. Mais oui, vous hein. êtes vraiment sympa. <laughs> Parce Mais... que j'ai tellement travaillé pour garder le ouais. Et c'est bien fait. Hein. Et, et, euh... et alors, du, Mais... coup, euh, du coup, on n'a plus rien à se dire. C'est un peu ça. Quoi. Il, y a, il y a le, le choc pour Angélique de la déception. Le, le choc que ses parents ne sont pas euh, infaillibles. Ah oui. et, euh, et puis, la découverte qu'elle ne les connaît pas vraiment. Donc, elle va Poser des Et c'est très beau parce que vous dites, elle ne les connaît pas parce que elle n'a pas osé au départ poser des questions. Ouais. On n'ose jamais poser assez de questions aux gens qu'on aime. Parce qu'il y a quoi Cette espèce de distance, cette pudeur, cette incompréhension ouais. dont vous parliez aussi tout à l'heure Il s'impose tellement. Ouais. Les parents. Oui, mais qu ce qu'il faudrait peut, faire, on quand quoi, même on est... un peu en, en défense des parents de temps en temps. Je trouve moi ce que je trouve vraiment. Euh, suis... C'est incroyable. Attendez, c'est les jeunes qui défendent oui, les parents. Oui, mais... il y a quand même quelque chose que, qui est particulièrement euh, important, je trouve, chez, chez Suzy Morganstein dans, dans, dans toute l'œuvre. C'est quand même que la présence des parents est pleine de tendresse, quand même. Et je pense que moi, je me souviens très, très, très bien. Très, très bien de lire ces livres-là. Et je me souviens de moments très précis de la sixième, que honnêtement, je n'ai pas relu depuis probablement la sixième. Et je me souviens d'un moment où elle est au téléphone avec sa mère et elle lui dit, elle est angoissée, je ne me souviens plus pourquoi, mais sa mère lui dit, tu vois, tu as 1,50 francs ou tu as 10 francs, va t'acheter une la ladière pour le déjeuner. Parce qu'elle a oublié sa carte, je ne sais plus ce qui s'est passé, vous pouvez peut-être me dire. Il y avait la choucroute. Ah, il y avait la choucroute, voilà, c'est ça je me souviens de ce moment parce que j'avais 9 ans et je lisais ça et ce moment où oh, maman est là et elle me dit de, de prendre dans mon porte-monnaie 10 francs pour aller m'acheter une pisse à la dière. Et La littérature jeunesse c'est très particulier parce que oui il, faut, il y a cette contestation, oui il y a ce désir et là dans le livre on ne va rien révéler mais il y a cette question quand même très importante de la confidentialité, qu'est-ce qu'on a comme secret par rapport aux parents, quels sont les secrets des parents par rapport à nous, on a tous les deux droit à nos secrets et en même temps l'enfant et le, le, le jeune adulte est tenu par, par les, les mains de, du parent aussi, et ça, euh, il faut pas quand même l'annihiler en étant complètement. La rébellion, le rejet, il y a une présence de l'adulte qui, euh, qui, est, qui est protégeante, qui est quand même enveloppante. Mais... Ah oui, il y a beaucoup de tendresse beaucoup de tendresse, dans le ouais. petit ouais. conflit. Ouais. Elle, a, elle a un art parental qui fonctionne sur la tendresse, ouais. comme les rivières souterraines. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un moment où il y a une résurgence. Ouais. Et paf, la tendresse arrive. Et ouais. le bonheur ouais. avec euh, Suzy, c'est euh, très très particulier. Mais, mais là, vous avez, euh, vous avez quand même des combats de parents. C'est-à-dire que ces, ces enfants-là ont quand même des parents qui qui S'entendent d'une façon un peu spéciale, c'est à dire qu'ils sont souvent parfois en, en conflit. Et de, je t'envoie pas l'aider, tu la ramènes pas trop, etc. Donc, c'est intéressant. C'est que, en fait, en fait dans, dans le livre de, de Suzy, c'est l'enfant qui est le stabilisateur, oui, c'est l'inverse finalement. Ouais. C'est elle, Angélique, qui va. Soudé. Après, il y a toute, toute l'histoire dont il ne faut absolument pas parler. Parce ah non, mais on n'en parle pas. C'est formidable. Espionnage. <laughs> espionnage intime. <laughs> et puis, la sixième, dont parlait Clémentine Mauvaise, tous les deux à l'école des loisirs. Euh, je leur montre à la sixième, parce que maintenant, c'est devenu ce qu'on appelle un livre classique. culte. Ah, c'est un vrai. classique. Cultissime. Ah ouais, cultissime, vous dites. Oui. Il doit être ouais. à son sixième million. Oui, ouais. Vous êtes à combien de millions avec euh, la sixième Parce que ça s'est vendu à. Je pas. C'est vrai Mais le livre a Plusieurs millions d'exemplaires. 35, 35 ans. Ouais. Quelque chose aurait <coughs> dû changer dans l'éducation nationale. <laughs> oui. Ah bah tiens, quelque chose aurait dû changer dans l'éducation nationale. Non, on part sur un autre débat. Alors on va pas le lancer. On est d'accord. Il y a un truc qui pourrait peut être changer, c'est que, par exemple, on laisse les enfants choisir les livres qu'ils ont envie de lire, de temps en temps. Par exemple, du Arnaud Catherine, par exemple du Ponty. Puis pourquoi pas du Noir, du Nietzsche, du Épicure. Et puis voilà, on pourra philosopher à l'âge de 11 ans aussi, Zoé. Claude Ponty, allez, vous aussi. Oui, c'est vous. Ouais, ouais. On parle un peu tous les deux. Allez-y. Moi, je suis plusieurs, hein, mais vous, on parle ensemble. Vous êtes combien bah, J'y réfléchi à, à, réfléchissais à propos du journal intime. J'arriverai pas à faire un journal intime parce que je suis trop de monde. Merci. Je passerai mon temps, il m'en faudrait faire une douzaine par jour. Et en même temps, c'est un peu normal parce que vous avez eu plusieurs vies dans votre vie. Vous disiez tout à l'heure que vous vouliez être un artiste maudit. Euh, vous avez été à une époque euh, illustrateur, dessinateur de presse. Hein, hein, c'est le nom de ce métier pour l'Express. Euh, artiste maudit, j'ai très bien réussi. Ça va durer longtemps, parce qu'aujourd'hui vous êtes quand même un artiste maudit qui vend quelques millions d'exemplaires. Oui, je, je me considère pas comme un artiste. Ah, non, je me, je, mais pas maudit non plus. Je, et maudit non plus, bah ben non. C est, c est, c est, quand je vois des lectrices pareilles, je peux pas me considérer comme maudit. Pourquoi vous ne <laughs> vous considérez pas comme un artiste, Claude Ponty Ça me gonfle. Ceux qui, ceux qui expliquent comment, pourquoi ils sont des artistes, je me. Je ne me, me sens pas là-dedans. Mais euh, je peux donner une anecdote aussi, c'est que quand, quand je, je, je faisais de la peinture, j'avais une galerie ou deux. Et je, mais, donc la galerie, elle achète des tableaux, puis de temps en temps, elle fait une exposition. Et quand je me suis retrouvé à une exposition euh, où je me suis aperçu que quelqu'un euh, que je trouvais absolument détestable, pour ne pas dire un gros con, euh, allait acheter mon tableau et que je ne pouvais rien y faire. Ce qui n'était plus à moi, là, je me suis dit qu'il y a un truc qui n'allait pas. J'aime pas ce truc, j'aime pas ces machins. Ouais. J'aime pas faire un tableau en me disant, euh, dans, dans 30 ans, celui qui me l'aura <coughs> acheté 250 euros, il va s'acheter une roll sans le revendant. Ouais, ce, que, ouais. ce que je trouve chouette dans les livres qu'on fait, nous tous, c'est que si, si jamais euh, euh, ça marche, euh, et ben, les livres se vendent toujours au même prix. Oui. On aura un peu plus de sous parce que on vend plus de livres, mais on ne va pas se mettre à vendre des, des livres de plus en plus cher, sous prétexte qu'on est un, un petit peu connu. Donc, euh, et puis, j ai, j ai, non, mais pas, le milieu de l'art, j'aime pas. Ça m'ennuie. Allez, on laisse tomber le on milieu de l'art, on revient à celui de la littérature. <laughs> Je fais des trucs dans des bouquins, voilà. mmh. surtout pour les enfants. Le mystère d'énigmes, donc, qui vient de paraître euh, à l'école des loisirs également. Euh, C'est quand même une formidable, je trouve, euh, célébration du pouvoir des mots, de la littérature, avec euh, quelque chose de terrifiant. Parce que ça commence un soir, tiens, par exemple ce soir, juste après l'émission, 22h22 précisément, catastrophe, les mots ont disparu. Catastrophe. Comment est-ce que vous écrivez Catastrophe, d'ailleurs, Claude Ponty ça dépend des livres. En général, il faut un K, plusieurs H et, euh, et des F. Oui, 3-4 F, ouais, par exemple. Mieux, ouais. Ça, c'est votre marque de fabrique également, Claude Ponty. Bah, Ça vous je... aimez euh, détourner l'orthographe J'ai je, je, appris à lire et à écrire dans la classe de ma mère, qui a été la pire expérience scolaire de ma vie. Et en plus, avec une méthode, euh, une méthode globale absolue. C'est-à-dire que. Euh, il y avait un dessin de lapin, et puis en dessous, c'est écrit lapin. Ou alors, euh, si c'est choucroute, en dessous, c'est écrit choucroute. Mais moi, si le début et la fin du mot sont corrects, ça me suffit. Mmh. Et, et donc, je suis absolument, totalement nul en orthographe. Et j'ai découvert récemment que j'étais probablement dyslexique. Donc, je mélange tout. Je fais les trucs euh, à l'envers. Et, et, et donc, le, le rapport au mot, euh, en fait, c'est que... Euh, mmh. Je trouve que c'est souvent arbitraire et que je ne vois pas pourquoi je ne fabriquerais pas mes mots quand j'en ai besoin. D'autant plus que là, c'est des mots que vous mettez au service, généralement, à la fois de l'humour, parce que ce n'est pas seulement hein, le plaisir de changer une lettre dans un mot, c'est tout un système que vous créez. Il y a une métaphore, très souvent. Là, en l'occurrence, de quoi est-ce la métaphore Cette disparition des mots dans les livres. Il n'y a plus que des pages blanches. Ce n'est pas exactement les livres, c'est les archives. C'est-à-dire que là, on est dans un square qui, qui, normalement, se déplace de ville en ville. Et là, malheureusement, il est en panne. Et la raison pour laquelle il est en panne, c'est qu'effectivement, dans les archives que sont en train de noter en permanence des petites souris spéciales, qui sont des souris archivistes, il s'est passé quelque chose qui fait que les mots disparaissent. Donc, on va perdre de plus en plus. La, la connaissance de ce qui s'est passé avant. Et ce sont des archivistes spéciales. C'est qu'elles ramassent les mégots, les bouts de sandwich, elles notent les petits bisous, elles notent les câlins, elles elle oui. enregistrent absolument Et coup. alors, ce que je trouve en prodigieusement poétique, c'est le premier dessin, peinture, je ne sais pas comment il faut appeler ça, c'est un tableau. Euh, si on regarde bien, regardez, là, on le voit à l'image. Bah, finalement, c'est une poubelle. C'est une poubelle dans un square. Et puis, vous voyez, nous, on met des choses là-dedans. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a un monde qui vit, celui des souris. Alors voilà, elles sont en train de comprendre oui, les choses. Tous les sociologues vous le diront, il n'y a rien qui parle plus qu'une poubelle. Frédéric <laughs> Lenoir, le sociologue. <laughs> c'est la mythologie de Barthes appliquée rien aux rien enfants. j'adore. <laughs> euh, alors, il y a aussi euh, l'idée peut-être que... On... Est-ce qu'on peut aider les enfants à maîtriser le langage quand on le déconstruit comme vous le faites Oui, parce qu'ils sont en pleine construction. Ils sont en plein apprentissage, ils sont en, en plein arbitraire. C'est-à-dire que nous, euh, arrivés à un certain âge, on a une connaissance de l'histoire des mots, de l'histoire de l'agglutination des, des sons, de comment ça se fabrique, comment ça se transmet, comment ça se transforme. Mmh. Et puis du grec, du latin, du, mmh. du chinois, etc. Les enfants, eux, ils débarquent là-dedans. Donc ils sont, euh, on leur dit euh, ben voilà, euh, ça, ça s'appelle une saucisse. <coughs> Mais ça pourrait s'appeler aussi un schmeugule. C'est pas mal le schmuggel. Comment vous écrivez schmuggel Schmuggel Oui. S a s c h m e schm m e u l e u g e u l e u. Voilà. Parce qu'il faut bien prononcer tous les e. Schmuggel. Alors la prononciation chez vos personnages, parce que c'est complètement barré. Je ne sais pas sous quoi vous écrivez, mais enfin, il y a des souris dans des poubelles. Je tiens absolument à le dire. Je ne fume pas. J'ai fumé longtemps du tabac ce qui m'a coûté très cher. Mais je, je ne prends rien parce que je ne supporte rien. La seule fois où on m'a entraîné dans un truc où j'avais une vingtaine d'années à manger un gâteau où il y avait du hache dedans, j'ai passé la nuit à, à m'enfoncer <laughs> dans un lit pendant à peu près 12 heures. Ouais. Et, et je ne touchais jamais le fond. Et j'ai juré que plus jamais on ne me ferait faire un truc pareil. Et quand j'étais enfant, les manèges qui tournaient trop vite et trop haut. Il fallait les arrêter parce que je voulais sauter. Et quand mes parents m'ont emmené à l'île de Groix, euh, j'ai voulu me noyer parce que, d'abord, on ne pouvait pas dégueuler dans le bateau tellement c'était infect, les toilettes. Et j'étais comme dans les bandes dessinées, j'étais comme ça sur le bastingage, je vomissais, je vomissais. Et je me disais, putain, putain, il va falloir revenir. Une fois qu'on sera sur l'île, ils vont m'obliger à revenir. Et ça va être l'enfer. Alors, tout, tout, ce qui, tout ce qui fait que je ne me sens pas bien dans, dans l'oreille interne, ouais. ça. Je prends pas. Bon, il y a aucune J'ai besoin est... de rien. Où allez-vous chercher ces histoires Là. de souris, d'extraterrestres Qui a oublié, parce que vous êtes des extraterrestres un peu distraits tout de même. Ils oublient à chaque fois de leur. J'arrive pas à le prononcer quand vous dites les, les cartes, les xarbologues, les xarbologues. xarbologues. et Mais par contre au singulier, ça se prononce plus pareil. Ça je vous le dirai pas. D'accord, moi non plus. C'est plus. Euh... révisé J'ai lu les livres des autres, mais j'ai pas révisé. Les... <laughs> ça vient d'où tout ça hein de lire les livres des autres Non, de décider tout à coup de se dire tiens, j'ai un pinceau dans une main et le pinceau quand je le pose c'est pour mettre des mots à côté et le tout forme un album qui enchante ceux qui le lisent. Ça vient d'où Quand j'ai à peu près l'histoire en main, je me mets à la faire et je ne sais pas encore ce qui sera plus du texte ou plus du dessin, mais ce qui est sûr c'est que je n'y arrive pas si je n'y suis pas. Il faut que j'y sois. Et, et, et quand, quand vous y êtes et que l'histoire apparaît, ben, qu'est-ce qui vient d'abord C'est le texte C'est le dessin Non, c'est les deux. C'est-à-dire qu'à un moment, je dis ça, je veux plus le dessiner, mais je ne le pense pas. C'est-à-dire que je, dis, je fais un, je fais un, un croquis où je, et je note deux, trois trucs en dessous. Mais c'est à ce moment-là qu'apparaissent des trucs. Moi, je n'ai pas de problème de page blanche, j'ai des problèmes de page noire. Il, hum. Ça sort, ça sort, il faut que j'enlève, que j'enlève, que j'enlève, hum. que j'enlève. Voilà. Ça marche comme ça, et, et je, re, je remercie la totale inexistence de Dieu des dons que je peux avoir. Alors, Dieu n'existe pas, mais l'énigme existe. Oui. C'est quoi d'énigme Il y a trois énigmes. Je ne suis pas révisé. Le hein. si ouais. bouquin, je l'ai fait il y a un bout de temps. C'est euh, des espèces. Il y a principalement un monstre voilà. qui, qui est justement celui qui, qui efface. Qui efface les mots et les, et les, et les idées, et qui remassent tout. Il a entre autres des trompes aspirateurs, des pas de gomme et euh, des, tout un tas de trucs euh, pour euh, débarrasser le monde. Et il y a quelque chose qui va beaucoup plaire à Arnaud Catherine c'est que pour chasser les monstres, il faut employer des gros mots. Bah ben voilà, on je y est arrive. Il n'y a pas que ça qui me plaît chez Claude Ponty, vous savez. Hein. Quoi autre non, mais j'ai appris quelque chose ce soir, c'est que moi, quand j'ai un album de Claude Ponty, je peux rester. C'est des tableaux, disiez. Oui, hein. c'est des tableaux. Oui. Il y a des images, on peut Ponty, c'est des tableaux, minutes. Ça, est, on est d'accord. Ah, oui. ah, 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 tellement oui. il y a deux choses à regarder. Ah. Et je viens d'apprendre en sont plusieurs. <laughs> tout s'explique. <Ouais. s> <laughs> tout s'explique. Je suis ravi de vous avoir rencontré en bah, vrai. C'est gentil. C'est que travailler avec d'autres, ça m'arrivait deux, trois fois. C'est très, très compliqué à arriver ça. Sans... Ah, bah oui, alors là, ça doit et, être compliqué. Et, et tandis que quand je travaille avec moi, bien qu'on soit plusieurs, on non, arrive en fait. assez, à, à, assez facilement à un consensus, parce que s'il y a vraiment un truc que je n'arrive pas à faire. Vous êtes d'accord entre vous, vous-même et les autres que je voilà, le fasse pas. Et, et donc, on va dire, on va ouais, faire hein. autrement. Et on n'a pas de conflit. De... Mais, mais je, je suis sûr que vous faites pareil. C'est-à-dire que souvent, dans la rue, on se balade, dans la forêt, des trucs, on, 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 fa... on fabrique des dialogues et. et... Euh, le, le cas typique, c'est là, là où on a raté un truc et on commence à le refaire autrement. Et les 12 versions où chaque fois on sort vainqueur de la situation. Où je suis sûr que as déjà fait ça. On repart sur les regrets alors. Hein, ah. <laughs> alors on arrive à la fin de l'émission. J'aimerais bien Zoé que tu nous dises justement ce que tu as retenu de ces échanges d'écrivains entre eux qui sont d'abord des lecteurs. Euh, ce que j'ai retenu. Euh... C'est difficile. <laughs> voilà, c'est assez difficile à dire. Euh... J'ai retenu que les auteurs, euh... ils mettaient quasiment toute leur vie dans leurs livres. Euh... Par exemple, euh... ça va ramener. Suzy Morgenstein, je crois. Euh... Euh, raconte euh, son journal intime en quelque sorte. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de, de parties de leur vie qui reviennent dans les livres. Euh, euh, ben, euh, euh, ouais. <laughs> Est-ce que ça te donne envie un jour d'écrire des livres Parce qu'aujourd'hui, tu es la championne de lecture. Est-ce qu'un jour, tu deviendras peut-être romancière, écrivain ah oui. ?– Non. – Oh, tu pas sais pas ?– Pas pour moi, pas du tout. – Pas du tout non. Tu préfères les lire ?– Oui. – Elle a quand même dit, l'essentiel, c'est qu'on met, on met beaucoup de nous-mêmes. Ben – bah oui. Ouais. – si On en revient à la question de l'honnêteté de la franchise, spécialement envers les enfants. C'est qu'ils le savent très bien quand on leur montre. <coughs> Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les six d'avoir participé à cette émission. Vous retrouvez euh, sur les euh, sites et les réseaux sociaux de la grande librairie les titres de tous les ouvrages dont nous avons parlé ce soir. De la fondation également, euh, Sève, que vous avez créée, Frédéric Lenoir, et qui peut-être va s'aimer, si vous qui nous regardez avez aussi envie de rejoindre l'initiative de Frédéric Lenoir qui consiste... À euh, euh, présenter la philosophie et la méditation euh, aux plus jeunes. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, avec une émission spéciale. Ce sera la dernière de l'année. Ah, on va célébrer cette fois-ci, tiens, toute autre chose les noces, des notes et de la littérature. On peut faire de la poésie en chanson. Ce sera le cas avec, euh, par exemple, Alain Souchon, Eddie Michel, Véronique Sanson, Alex Baupin, avec euh, également Sandrine Kiberlin, Antoine Duléry, Mathieu Bogart et quelques autres qui viendront pour une grande, grande émission euh, célébrer les mots. Et d'ici là, je vous souhaite de très belles lectures. À la semaine prochaine.